Si vous êtes ou souhaitez devenir data scientist ou encore data analyst en 2024, R fait partie clairement des logiciels que vous devez absolument maîtriser pour gagner en productivité. Aujourd'hui, je vous recommande R pour trois principales raisons. La première, qui est d'ailleurs la raison majeure, c'est que sur le marché aujourd'hui, R, c'est de très loin le meilleur logiciel en termes d'analyse de données. R, c'est de très loin le meilleur logiciel pour faire des visualisations de qualité. R, c'est de loin le meilleur logiciel pour faire des statistiques, des modèles statistiques. Franchement, si dans votre travail, vous êtes amené à faire des visualisations, vous êtes amené à faire de l'analyse de données, à faire des statistiques, des modélisations statistiques, R, c'est clairement le choix pour être plus productif ou productive au quotidien. La deuxième raison, c'est que sur le marché du travail aujourd'hui, lorsqu'on veut être data scientist, lorsqu'on cherche à être data scientist, les compétences parmi les logiciels à maîtriser, il y a toujours R, Python et SQL. Que ce soit chez Google, Facebook, Amazon, dans l'industrie, dans la finance, dans la santé, dans les télécommunications, toutes les industries qui recherchent des data scientists cherchent des personnes qui maîtrisent R, Python et SQL. Et la troisième raison, qui n'est pas des moindres d'ailleurs, R, c'est un logiciel qui est ouvert, qui est libre, qui est gratuit. En plus, il y a une très belle communauté. Vous avez des packages qui vous permettent de personnaliser R selon vos propres besoins. Ce qui fait en sorte que vous pouvez rendre plus dynamique votre travail, c'est assez flexible. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous recommande de vous former en R en 2024. Et dans cette vidéo, nous allons faire ensemble nos premiers pas en R. Si vous êtes complètement débutant, vous n'avez jamais programmé de votre vie, vous ne connaissez pas c'est quoi R, cette vidéo est faite pour vous. On va voir ensemble comment installer le logiciel. On verra la force de R, notamment les packages, comment les installer. On va voir étape par étape comment on peut faire des visualisations en R. On va voir comment est-ce qu'on fait des statistiques en R. On va voir comment est-ce qu'on fait du machine learning en R. On va voir comment est-ce qu'on peut déployer les modèles avec R. Et on verra ensemble les outils qui vont vous permettre de faire des documentations automatiques grâce à R. Bref, cette vidéo, c'est une formation qui permet d'avoir une vision d'ensemble sur R pour vous aider à prendre en main rapidement le logiciel. C'est une vidéo un peu longue, prenez le temps d'assimiler l'ensemble des concepts. À la fin, il y aura un quiz pour vous aider à évaluer vos compétences, donc n'hésitez pas à suivre étape par étape. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Si vous ne l'avez pas encore réalisé, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partager et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos de qualité comme celle-ci que je partage avec vous régulièrement. Vous avez réalisé les actions, prenez votre PC, bonne connexion Internet et c'est parti pour la formation pratique en R. Let's go! Pour bien démarrer avec R, on commence bien évidemment par installer et prendre en main le logiciel. Comment est-ce qu'on installe R? En fait, il suffit d'avoir un PC Windows ou encore un Mac. Que ce soit sur Windows ou sur Mac, l'installation c'est la même méthode. Comment ça marche? On va dans un navigateur, ici moi j'ai choisi Google Chrome, on va taper dans la barre de recherche, installer R sous Mac. Moi je suis sous Mac, donc si c'est sur Windows, vous tapez installer R sur Windows. Ensuite, on va choisir le lien qui est juste ici, des Comprehensive R Archive Network. C'est le lien que je vous recommande parce que c'est le site officiel de R. Vous avez la dernière version, vous avez les dernières mises à jour. On appelle ça le CRAN. Juste là, vous voyez, HTTPS CRAN R Project. C'est ça que je choisis. Une fois que j'ai choisi cela, je vais cliquer sur l'installeur qui est juste ici, R4.3.2. C'est la dernière version de R disponible. Je clique là-dessus et je suis la procédure tout simplement. Là, c'est en train de télécharger. Le téléchargement est terminé. Maintenant, je peux l'installer sur mon ordinateur. Je suis la procédure. En général, moi, j'accepte tout. J'accepte tout. Et là, je mets mon mot de passe pour pouvoir installer le logiciel. J'installe. Pareil sur Windows, vous suivez exactement la procédure. Une fois que le logiciel a terminé l'installation, vous pouvez commencer à prendre en main. Ça ne dure pas, ça prend quelques secondes. Je peux vous montrer sur Windows. Si je reviens juste ici, je tape. Non, merci. Je vais taper, ah, ça me prend un peu de temps, ok. Là, je vais taper installer R sous Windows, vous voyez. Je fais la même chose. Et ici, vous avez toujours le site du CRAN que moi, je vous recommande. C'est quel? Là, ça n'apparaît pas. Je vais taper écrit CRAN. Comme ça, vous avez la procédure pour Windows.
là, c'est là, voilà, vous voyez, The Comprehensive Air Archive Network, c'est le site que je vous recommande pour installer n'importe quel logiciel ou package concernant R. Normalement, mon installation, il est terminé. Une fois que l'installation est terminée, je peux taper R. C'est juste là, je clique, je vais ouvrir le logiciel, je vais recommencer. Je tape dans la barre de recherche ici, je cherche le logiciel R. Je vais aller dans les applications plutôt, parce qu'apparemment c'est dans mes applications juste ici. Vous voyez, il y a R qui a été installé. Maintenant, on va prendre le logiciel ensemble. On va double-cliquer pour l'ouvrir. Une fois qu'on double-clique, vous allez voir à quoi ça ressemble, le logiciel R. Ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est une console assez basique. Comme ça, on peut créer des variables. Par exemple, je fais A égale à 5. Ça me crée la variable A. Si je vais afficher A, j'écris, j'essaie de zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Donc ici, on a la console R basique. J'ai écrit A égale à 5 pour créer une variable A et affecter la valeur 5. Si par exemple, là, j'écris A, vous voyez, A vaut 5. Je peux, une autre manière d'affecter en R, c'est d'utiliser ce symbole-là. Ce symbole-ci. Et si je mets 5, je mets par exemple 6. Maintenant, A va valoir 6. J'affiche A, A vaut 6. Donc voilà l'installation de R. Vous voyez, c'est assez simple. Si par exemple, je veux additionner deux variables, je crée une nouvelle variable B. Je mets B vaut 7, 6 aussi. Si je fais A plus B, je peux faire des opérations. A plus B, ça fait 12. Si je peux créer une autre variable C. C, je prends par exemple la variable 10. Et si je fais A plus B plus C, A plus B plus C, on a 22. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on utilise R. Vous voyez, cette console, elle est assez basique, elle est assez simple. Peut-être vous allez vous dire que c'est assez difficile à utiliser. Mais lorsqu'on est utilisateur de R, on ne travaille pas forcément avec cette console directement. En R, il y a un IDE qu'on appelle RStudio qui donne une interface qui permet de mieux travailler avec R, en fait. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble RStudio. Comment l'installer. De la même manière, pour travailler avec RStudio, qui est l'IDE qui permet d'utiliser R de façon flexible et de façon facile, on va aussi aller sur Google. On va taper Google, pareil. On va aller sur Google, on va chercher installer RStudio Mac aussi. Si c'est sur Windows, tapez Windows. Mais moi, je vous recommande d'aller plutôt sur le site. Je vais aller sur le site de Post-it, qui est l'entreprise, en fait, qui détient le logiciel RStudio. Donc, je vais sur Post-it. Et vous allez voir sur le site de Post-it, vous avez ici « Download RStudio ». Donc, pour installer RStudio, on va sur le site de post-it.co et on clique sur « Download RStudio ». Je clique sur « Télécharger ». Vous voyez, on peut, je vais tout accepter. RStudio Desktop, juste là, je vais cliquer sur « Télécharger » et je suis la procédure. Vous voyez, sur le site de Post-it, vous pouvez ici installer R et installer RStudio. On va cliquer ici sur « Installer RStudio ». Automatiquement, il a détecté que moi, je suis sur Mac. Si j'étais sur Windows, on allait mettre ici « Installer RStudio pour Windows ». Donc, je télécharge cela. C'est assez rapide aussi comme R. On va attendre quelques secondes. Mais RStudio, c'est vraiment l'IDE qui vous permet de faciliter en fait le travail avec R. Mon installation est terminée. Je vais cliquer sur le fichier qui a été téléchargé et je mets dans mes applications. C'est aussi simple que ça. On va donc voir ensemble comment ça fonctionne RStudio. J'ai déjà double-cliqué ici. Vous avez le logiciel qui s'est ouvert. Voilà à quoi ça ressemble quand ça s'ouvre. Vous voyez, vous avez l'interface de R qu'on avait tout à l'heure. Attends, je reviens sur R qu'on avait tout à l'heure. Juste là, vous voyez, on a cette interface de R qui est déjà disponible ici sous RStudio. Mais l'intérêt de RStudio, c'est que on peut créer un nouveau fichier. J'agrandis. Avec RStudio, on peut créer un nouveau fichier. C'est bien ici. On peut créer un nouveau fichier R, Rstrip. Et quand je crée un nouveau fichier R, on a une interface qui ressemble à ça. Juste ici, je peux rédiger mon code. Par exemple, je mets encore mon A, prend la valeur 5. Je rédige mon code. Et si j'applique ici sur Run, le code il est exécuté dans la console R qui est disponible juste ici. En gros, j'écris mon code R sur cette interface. Là, j'ai le résultat ici. Si par exemple, je veux afficher F, j'écris juste A. Et là, j'ai la valeur exactement comme l'interface de R qu'on a vu ensemble tout de suite. Donc ici, c'est l'interface où on écrit un code. On peut mettre un commentaire. Ceci est un commentaire. On peut faire quoi d'autre? On peut faire des additions sur des variables. Je peux créer une nouvelle variable A. B qui reçoit 6, j'exécute. Et là, je peux faire A plus B. Et quand j'exécute ici, je clique sur Run. Il y a deux façons d'exécuter. Il y a ça, je peux cliquer sur Run ici. Ou alors, je peux faire juste un contrôle entrée. Ça exécute aussi, contrôle entrée. Ça exécute.
Sur l'environnement, vous avez cet espace qui vous permet en fait d'afficher. On va revenir là-dessus, je vous présente l'environnement. Il y a cet espace ici, là ça ne s'est pas bien affiché. Voilà, il y a cet espace ici qui vous donne l'ensemble des variables disponibles. Là, j'ai déjà fait pas mal de travaux en R. Je vais effacer tout ça. Mais normalement, quand vous, de votre côté, ça va ressembler à ça. Vous avez un espace vide avec aucune variable. Si je crée la variable A, vous avez vu, c'est l'espace où RStudio va stocker l'ensemble des variables qu'on va définir, l'ensemble des tables. Ou bien si j'ai une base de données, ça va s'afficher ici. Par exemple, si je vais dans une librairie populaire en R, c'est la librairie Dataset, qui contiennent plusieurs bases de données. Il y a une base de données populaire qu'on appelle la base de données Iris. Par exemple, si je fais Iris, là, j'ai la base de données Iris. Si je fais, par exemple, temp égale à Iris. Vous voyez, ma base de données a été créée ici. Je peux cliquer et j'affiche la base de données, un peu comme sur Excel, vous voyez, avec en ligne des individus, en colonne des variables. Donc, toutes les variables sont stockées ici. L'interface qui est juste ici, c'est mon espace de travail avec les fichiers. Lorsqu'on va mettre en place des graphiques, ça va s'afficher ici. Je vais vous montrer un exemple de graphique que je crée. On va voir ça aussi plus tard. Si je fais un plot, Iris par exemple, vous allez voir ici, ça met les graphiques dans plot. On va parler des packages tout de suite. On a de l'aide, on a le viewer, on a la présentation. Bref, c'est l'interface qui permet de travailler de façon dynamique avec R. Bravo, vous venez d'installer R et RStudio. Maintenant, on va voir ensemble un point central qui fait toute la puissance de R. Ce sont les packages. Qu'est-ce qu'un package en fait? Un package, c'est un outil qui vous permet de personnaliser davantage R selon vos propres usages. En termes de package, on a deux catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les packages de base qui viennent directement avec le logiciel R. Comme tout à l'heure, la library dataset, c'est un package qui est venu avec R qui contient des bases de données. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les packages contributifs. Ça veut dire les personnes comme vous et moi, on peut développer nos outils et partager cela à la communauté pour que tout le monde puisse en profiter. Un exemple simple pour que vous compreniez. Imaginez-vous, vous souhaitez calculer la moyenne. Okay? Au lieu de réécrire à chaque fois une fonction mathématique qui vous permet de calculer une moyenne, il y a une personne dans la communauté R qui a créé un package dont le rôle, c'est calculer la moyenne. Il vous suffit de prendre ce package, de l'installer et de mettre vos données et automatiquement, vous avez la moyenne calculée. Et c'est exactement ça, le package. Ça peut faire des tâches beaucoup plus complexes que le calcul de la moyenne. Il y a donc trois méthodes pour installer les packages. Première méthode, c'est utiliser ce qu'on appelle le site du CRAN. C'est vraiment le site vitrine. Lorsqu'on parle de R, pensez à ce site. On va y aller, c'est Comprehensive R Archive Network. Tous les packages développés en général sont pour la majorité sur ce site. On va sur le CRAN. Package, vous allez voir, c'est dans ce site que vous allez voir l'ensemble des packages disponibles sous R avec le type, avec leur usage. On peut prendre quoi comme exemple de package juste ici. Vous avez ici à quoi ça sert, vous avez la définition, donc n'hésitez pas à parcourir par ici ADE4, Analysis of Ecological Data. Donc si vous souhaitez analyser les données écologiques, il y a ce package qui a peut-être les fonctionnalités dont vous avez besoin. La deuxième approche pour installer les packages en R, c'est utiliser Crantastic. C'est tout simplement un site vitrine de Crant. Si on tape sur Internet, Crantastic, c'est un site vitrine qui vous permet, mais je vous recommande toujours, ça va rediriger à chaque fois vers le site R. C'est juste ça en fait. Et la dernière approche qui est aussi utilisée, c'est GitHub. En gros, moi, je développe un package et je mets ce GitHub pour que vous puissiez l'utiliser, ou bien quand c'est surtout en phase de développement. Mais dans le cadre de cette vidéo, dans le cadre de cette formation, on va utiliser essentiellement les packages disponibles sur le CRAN. On va aller tout de suite sous RStudio pour voir ensemble comment est-ce qu'on installe les packages. J'ai déjà préparé un code R pour faire cela, qui est juste ici. Donc, pour installer les packages, ici je définis c'est quoi le logiciel R. Pour utiliser certaines fonctionnalités dans R, il est souvent nécessaire d'installer des packages supplémentaires. Les packages sont des ensembles de fonctions R, de données et de codes compilés, développés par la communauté. Vous et moi, on peut développer des packages R. Quelques exemples de packages, comment est-ce qu'on installe les packages? Il y a la fonction install.package, donc vous allez sur R, vous écrivez juste install.package et vous mettez le nom du package que vous souhaitez
installer. Par exemple, ici, je veux installer ggplot2. C'est l'un des packages les plus populaires pour faire de la visualisation. Je fais juste install.package. Je mets le nom de mon package entre guillemets. Et là, je clique sur contrôle entrée et j'exécute. Le package s'installe. Une autre manière d'installer les packages, c'est de venir juste ici, à côté. Vous voyez, vous cliquez sur install, vous mettez le nom du package que vous cherchez. Par exemple, en data science, on connaît le package Caret qui est utilisé pour le machine learning. Si je veux l'installer, je mets là. Et si je fais install, vous allez voir dans la console, ça va me faire le install.package comme tout à l'heure et installer le package Caret. On peut installer plusieurs packages en même temps. Là, j'ai installé un seul. Si je souhaite installer trois packages à la fois, je fais install.package, je mets le nom du premier package, le nom du second package et le nom du troisième package. On va par exemple prendre l'exemple de quoi? Je vais installer ggplot2 ou encore quel autre package? Je vais prendre le package on va prendre Shiny qu'on va voir ensemble. Ici, on va prendre aussi le package lmtest. Mmac. Même si je vais installer trois packages, je fais install.package, premier package, deuxième, une infinité de packages, j'installe comme cela. Et là, si j'installe, vous allez voir, de la même manière, ça va installer les trois packages automatiquement. Donc ici, vous avez l'ensemble des packages disponibles sur votre... Vous pouvez également mettre à jour les packages. Il arrive que certains packages ne sont plus forcément à jour dans vos systèmes. Vous cliquez ici sur Update et là, vous pouvez choisir les packages que vous souhaitez mettre à jour. On peut sélectionner plusieurs et faire... Install update. Bon, je ne vais pas le faire ici. Une fois qu'on a installé les packages, pour pouvoir utiliser, il faut qu'on charge ce package-là sous R. Par exemple, ici, j'ai installé le package ggplot, mais je ne l'ai pas encore chargé. Et charger un package pour l'utiliser, il y a deux approches. Il y a première approche, library. Ici, je clique, j'écris library, je mets ggplot2. Vous allez voir, si je fais library ggplot2 et que je reviens juste ici où j'ai la liste des packages qui sont disponibles dans mon ordinateur, et si je vais au niveau de ggplot2, vous allez voir ggplot2 est coché ici. Si je décoche, si vous voyez ça détache, ce n'est plus chargé, je ne peux plus utiliser les fonctions disponibles dans ggplot. Si je veux charger, je coche et là ça me fait library ggplot2. Donc pour pouvoir charger un package, c'est soit library, soit une autre option qui est require. En fait, require vous dit true ou false, si le package est disponible dans votre environnement. Donc ici, j'ai fait library. Je peux aussi écrire require. La différence entre les deux, c'est que je peux utiliser cela pour tester si un package est disponible ou non. Ça m'a renvoyé vrai si le package est disponible et faux sinon. Par exemple, ici, je fais require ggplot2 et je dis affiche est chargé avec succès si c'est le cas. Le package ggplot2 n'est pas disponible si ce n'est pas le cas. J'exécute. Vous allez voir, normalement, ça va me dire le package est chargé avec succès parce que j'ai ggplot2 dans mon ordinateur. Mais par contre, si je n'ai pas ggplot2, je mets un package au hasard comme ça, test. Vous allez voir que cette fois-ci, il va me retourner le package. Là, c'est ggplot2. Test, je vais mettre, je teste partout. Là, comme ça. OK. Il met le package test n'est pas disponible. Et si c'est un vrai package, il faut donc l'installer. Donc voilà à peu près les deux versions, require ou library, pour pouvoir charger des packages qu'on souhaite. Ça, c'est la première approche pour installer un package qui est disponible sur le crâne. Si vous souhaitez installer un package qui est disponible sur GitHub, en fait, la procédure est simple. Il faut premièrement installer le package qu'on appelle DevTools, qui est un manager de packages en général en R. Donc ici, j'utilise mon if require DevTools. Si ça n'existe pas, ici, ça va me dire, vous voyez, install.package DevTools. Si DevTools n'existe pas, cette fonction va me permettre de l'installer. Donc, je vais exécuter cela. Normalement, je viens d'installer R avec vous. Ça n'existe pas. Ça installe DevTools. Une fois que je vais installer DevTools, je charge le package DevTools avec library DevTools. Et une fois que j'ai chargé, je peux donc utiliser install GitHub. Je mets le nom de l'utilisateur et je mets le nom du package pour installer le package que je souhaite avoir. Ici, je vais installer le package Facto Escra. Et je mets le lien, l'utilisateur GitHub et le nom du package. Et là, ça va m'installer le package Facto Escra. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on installe les packages en R. Et ensuite, on peut utiliser au fur et à mesure après l'avoir chargé. Il y a un package magique que je vais vous présenter aujourd'hui. Franchement, ça change complètement la vie. Vous avez vu ici DevTools. Avant de faire require, j'ai fait if require install package. Il y a justement un package très puissant qui vous permet justement de manager si un package est disponible ou pas. Si ce n'est pas disponible, ça l'installe automatiquement sans que vous ayez besoin d'écrire ce code que j'ai mis ici. Ça s'appelle le package
Pac-Man. Donc, on va utiliser pour pouvoir gérer les packages pour nous. On n'aura plus besoin de gérer les packages comme je l'ai fait ici. Pac-Man va gérer tous ces packages pour nous. Il suffit de l'installer une fois. Donc ici, j'ai fait « If require Pac-Man », installe-moi, je ne l'ai pas, ça va l'installer. J'exécute ça. Et là, j'installe le package Pac-Man. Une fois que j'ai installé le package Pac-Man, je peux le charger juste ici. Je charge le package Pac-Man. Si on vient dans l'espace à côté, normalement, le package, il est chargé ici, comme vous le voyez. Ensuite, je peux donc utiliser la fonction « Payload » qui va permettre de vérifier justement si le package est là ou pas. Si le package n'est pas disponible, cette fonction va installer le package à ma place. Là, on a installé ggplot2 ensemble. On va tester sur d'autres packages que je n'ai pas. Par exemple, je ne sais pas quel package je n'ai pas. Shiny, Carhead, je l'ai déjà installé. On va tester ça sur tous ces packages. Normalement, je les ai tous ou quoi. Voilà, là, je les ai tous. Mais si je ne les avais pas, Pac-Man allait installer tout pour moi. Donc, voilà à peu près comment est-ce qu'on gère les packages en R. Vous pouvez également détacher le package avec la fonction payonload. Si on regarde par exemple dplyr qui est juste ici, dplyr qui est juste ici, vous voyez c'est chargé. Et si je fais payonload comme ça, ça va détacher le package. Et que si je reviens sur dplyr juste ici, ce n'est plus découché. Ça me permet de détacher le package. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on installe les packages. Ici j'ai parlé de la mise à jour, vous voyez. Update.package, ggplot2. J'ai fait update package. Ça va me donner les packages que je dois mettre à jour globalement. On peut également désinstaller des packages. Si je veux maintenant désinstaller un package, il y a la fonction remove.package juste ici et que j'exécute. Vous allez voir, ça va enlever le package et je n'aurai plus le package carrette parmi les packages disponibles. Et à la fin, toujours, il faut prendre les bonnes habitudes. On doit effacer l'ensemble des variables qui sont disponibles ici avec la commande que j'ai mis ici. Ça permet de nettoyer l'environnement de travail. On a vu jusqu'ici comment est-ce qu'on installe R et RStudio, comment est-ce qu'on installe et met à jour, désinstalle des packages. On a même vu un package magique qui vous permet de mieux gérer des packages, le package Pac-Man que je vous recommande d'ailleurs d'utiliser dans vos projets. Maintenant, on va voir ensemble quelques packages qui sont utilisés dans le monde de la data. Le premier module ici, j'ai mis manipulation des données. Vous avez par exemple le package dplyr qui est très utilisé, tidyr, datatable ou bien encore lubridate qui est utilisé pour les séries temporelles. On a des packages liés à la visualisation des données pour faire des graphiques intéressants. Je vous ai dit, c'était ça la force de R. On a ggplot2 qu'on utilise, que tout le monde utilise, je veux dire. On a plotly, franchement, que j'adore pour des graphiques plus ou moins interactif. On a également Latiste. Pour le machine learning, vous avez le package Carhead, vous avez GLMNet, vous avez E1071, vous avez XGBoost, Random Forest. Pour faire des rapports excellents, vous avez Markdown, vous avez Shiny que je vous recommande, vous avez Nick Air, vous avez DT. Bref, il y a beaucoup de packages comme ça qu'on verra au fur et à mesure qui vous permettent d'être plus productif en R. Maintenant, on verra ensemble les fondamentaux pour bien démarrer avec le logiciel R. Voici quelques notions essentielles pour bien démarrer avec R. Première notion, c'est la notion d'affectation des variables. Comment est-ce qu'on crée une variable? Vous voyez ici, j'ai la variable que j'appelle nombre qui va prendre la valeur 10. Ce symbole permet d'affecter la valeur 10 à la variable nombre. J'exécute en faisant contrôle à créer ou bien je clique juste ici sur run et la variable nombre est créée. Voici la variable nombre qui prend la valeur 10. Pour l'afficher, je peux faire un print. Juste là, je n'ai même pas besoin de faire le print en fait. Je peux juste écrire nombre comme ça dans ma console. Et juste en bas, j'ai la valeur associée à cette variable. Si je souhaite changer, je peux mettre nombre. Prends maintenant ici la valeur 15. Si j'exécute à nouveau, j'exécute en faisant run ou bien je fais contrôle entrée. Vous voyez ici, dans la console, la variable nombre a changé. Ça, c'est la première valeur. En fait, en R, une convention d'affectation, c'est d'utiliser ce symbole. Donc, c'est une convention, c'est un consensus pour créer une nouvelle variable. Par exemple, si je veux créer la variable, par exemple, variable, j'appelle ça variable, je peux utiliser le symbole et j'affecte, par exemple, test. Ça, c'est une variable qualitative. Cette fois-ci, c'est plus un nombre. Et là, j'exécute, vous voyez, ici, variable prend la valeur test. C'est ça. C'est une convention. Vous pouvez également utiliser le symbole égal. C'est possible. Je peux écrire, par exemple, variable 2. Égal à test, égal à 5, égal à test, ouais. Par exemple, je peux utiliser le égal,
Vous allez voir ici, j'ai aussi la variable 2. Mais sauf que ce n'est pas la convention utilisée. Le symbole égal est souvent utilisé pour définir en fait des paramètres d'une fonction, mais pas pour définir des variables. C'est possible, mais ce n'est pas la bonne pratique. Bonne pratique, utilisez ce symbole pour pouvoir définir vos variables en R. Donc là, je vous ai montré par exemple ici, si nombre vaut 20, vous avez vu, ça change la valeur ici. Donc ça, c'est l'affectation. Je fais un print. Ce n'est pas obligatoire de faire des prints. Vous voulez juste, vous pouvez juste écrire nombre et dommage bien. Donc c'est ça la principale différence. Déjà, le premier point, c'est en termes de lisibilité. Vous voyez, quand j'affecte comme ça, j'arrive à mieux lire mon code. C'est juste ça. C'est la première raison pour laquelle on utilise. Ça permet de distinguer en fait les paramètres d'une fonction des variables d'environnement de façon globale. Okay. On peut également assigner des textes de caractère, des chaînes de caractère, comme j'ai mentionné ici. Je fais texte, reçoit bonjour le monde, bonjour tout le monde, j'exécute. Vous voyez ici, j'ai la nouvelle variable texte, bonjour le monde. On peut aussi afficher, là c'est le texte. On peut aussi créer ce qu'on appelle des vecteurs. En gros, des vecteurs, c'est tout simplement des éléments qui prennent plusieurs valeurs, plusieurs dimensions. J'ai créé un vecteur numérique avec 1, 2, 3, 4, 5. Pour créer un vecteur en R, c'est C. Je mets C entre parenthèses, l'ensemble des valeurs de mon vecteur. C'est très utilisé en machine learning, justement. Si je fais un vecteur numérique, vous voyez ici, il me dit ce sont des numériques ici qui ont 5 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets par exemple 6, c'est pas mieux, je mets 10, il va mettre de 1 à 10 cette fois-ci. 1 à 6, pardon, vous voyez. Ça, c'est la dimension de mon vecteur. C'est 6, de taille 6, il y a 10 éléments. On peut accéder à des éléments de ce vecteur-là. Par exemple, si je fais un vecteur numérique, je veux accéder par exemple à la première valeur qui est juste ici. Je mets juste en fait des crochets comme ceci et je mets vecteur numérique de 1. Je vais accéder à la première valeur de ce vecteur. Je fais un vecteur numérique de 1 et j'exécute. Vous allez voir, ça me donne 1. C'est bien la première valeur. En Python, il faut mettre 0. En R, il faut mettre 1. Si je veux accéder à la dernière valeur qui est juste ici, il faut que je mette 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets 6. Et là, ça me donne la valeur 10. Si je veux affecter ça à une variable, je mets dernière valeur, par exemple. Valeur égale. Bon, je ne vais pas mettre égale, il faut prendre les bonnes habitudes. Dernière valeur, voilà, vous voyez. Dernière valeur, vecteur numérique, si j'affiche dernière valeur, si je viens ici dans la console, la dernière valeur prend la valeur 10, c'est la dernière valeur. Si je veux la valeur intermédiaire, par exemple, la troisième, je peux mettre ici 3. Donc, un vecteur numérique, c'est tout simplement un vecteur à plusieurs dimensions, avec plusieurs éléments. Pour définir en R, on utilise C et on met l'ensemble des éléments du vecteur. C'est très utilisé en machine learning. On peut également avoir des vecteurs avec des textes. Là, c'était un vecteur de numérique, vous avez vu, c'était num. Si je crée un vecteur de texte, Alice, Bob et Charlie, par exemple, vous allez voir, vecteur, ça me donne des caractères de trois dimensions, Alice, Bob et Charlie. Je peux afficher, je n'ai pas besoin de faire des prints. Je peux afficher juste ici, Alice, Bob et Charlie. De même manière, pour accéder, je peux faire un vecteur test, un vecteur test. Et je veux accéder à la première valeur, j'utilise des crochets, je mets première valeur. Si je veux accéder à la deuxième, je mets 2 ici. Si je veux accéder à la troisième, je mets 3. Et je peux aussi créer une variable qui contient ce vecteur de texte. Premier objet en R, ce sont des vecteurs qui contiennent plusieurs dimensions en général. On peut également, vous avez vu ici, j'ai créé 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une méthode de créer ce vecteur sans écrire des valeurs. Imaginez-vous de créer un vecteur qui prend les valeurs de 1 à 100. Vous n'allez pas m'écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 100. Il y a là, c'est des séquences justement qui vous créent des séquences du minimum au maximum. Donc je mets ici sec. De 1 à 10, ça me crée un vecteur qui va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'exécute. Vous allez voir si j'affiche ceci. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si par exemple je veux jusqu'à 100, je n'ai pas besoin d'écrire tout écrit. Ça simplifie énormément la création des 50. J'ai les valeurs de 1 à 100. De 1 à 10, mais pareil, je mets ici autant de 0 que je veux. Et là, je peux afficher ma séquence. Vous voyez, ça prend l'ensemble des valeurs. Et là, vous avez vu la dimension de ma séquence. C'est un vecteur avec plus de 100 000 éléments. On peut également créer des séquences de texte, c'est possible. On peut également répéter plusieurs valeurs plusieurs fois en créant des séquences. Ici, vous avez rep. Donc, je veux répéter 3, 5 fois. Et là, vous allez voir, ça me crée une séquence avec croix qui a été répétée 5 fois. Je peux répéter 10 fois. Je peux répéter 100 fois. Donc, voilà quelques astuces pour démarrer en R. On peut faire des opérations mathématiques de base. J'ai créé la somme 5 plus 3. Ça va me donner. Normalement, si j'affiche somme ici, vous avez vu le résultat, c'est 8. Je peux afficher
en sélectionnant et en faisant contrôle entrée, je peux mettre ici somme, juste là. Ça me donne 8. Si je veux afficher la différence, je fais juste 10 moins 4. Vous voyez, il faut d'abord que j'exécute ça. Et ensuite, j'exécute ça. J'ai 6. Je peux faire différence, soit 10 moins somme. Je peux écrire ici une variable 10 moins somme parce que je peux m'affecter. Et là, si j'affiche la différence, j'ai la valeur 2. On peut faire le produit 7 fois 2. Et là, je peux aussi afficher le produit. Si j'exécute, produit, vous avez vu ici, produit 14. On peut également faire le quotient, la division. Je peux mettre ici, par exemple, produit divisé par 4 ou bien divisé par somme. Vous voyez, on peut jouer comme ça avec R pour faire des valeurs. Là, vous avez vu le quotient et vous avez également vu ici la valeur du quotient. Donc, il faut vraiment bénéficier de cet environnement pour comprendre comment fonctionnent vos variables de façon générale. Donc là, j'ai fait l'affichage des résultats, somme, différence, etc. OK. On a vu déjà les vecteurs en R, comment est-ce qu'on les crée, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on manipule. On peut faire la somme sur deux vecteurs, on reviendra là-dessus plus tard dans la démo. En R, on peut créer également des fonctions. On a vu tout à l'heure des packages qui permettaient en fait de personnaliser R selon son propre besoin. Je peux créer mes propres fonctions. Et pour ça, par exemple, je crée une fonction qui fait la somme de deux nombres. C'est une fonction basique. J'écris le symbole d'affectation. Je fais fonction qui reçoit, qui prend en paramètre un premier nombre, un second nombre. Et là, le résultat qui sera nombre plus nombre 2. Et je retourne entre parenthèses le résultat. C'est comme ça qu'on crée des fonctions en R. Il y a juste ça, fonctionne, je mets mes paramètres, les accolades c'est important et le return. Et à l'intérieur, on programme de façon classique. Voilà la première fonction qu'on a définie ensemble. Je peux l'utiliser ici en faisant addition qui est le nom de ma fonction. Je mets les deux nombres, nombre 1, nombre 2 et j'affecte à la variable somme. Et j'exécute, vous allez voir, ici j'affiche somme, ça me donne 8. Vous avez ici somme égale à 8. Je peux également juste écrire comme ceci. Et ne pas affecter du tout. Par exemple, somme, je fais somme, je peux aussi mettre somme. Vous sachez qu'on peut mettre dans les paramètres somme, ça fait le 8 plus 5, et puis j'exécute 13. Ça ne sera pas stocké ici parce que je n'ai pas gardé dans une variable. Donc, s'il veut garder dans une autre variable, je peux mettre résultat, par exemple, et j'affecte ça à addition. J'affecte addition 5 plus, je fais somme, on peut mettre également somme plus somme, et j'exécute. Vous allez voir le résultat. Ici, c'est 16. Je peux l'afficher dans la console en mettant juste là. Donc, c'est comme ça que fonctionne R. On n'oublie pas à la fin de son code de toujours effacer l'ensemble des variables qui sont disponibles dans cet environnement. J'exécute et tout est effacé. Nous avons vu jusqu'ici comment est-ce qu'on installe et prend en main R et RStudio. On a parlé de la gestion de la mise à jour et l'installation des packages en R. On a vu les fondamentaux pour bien démarrer en R, notamment la création des variables, la création des fonctions, la création des vecteurs, la manipulation des vecteurs et comment accéder aux éléments sur des vecteurs. Lorsqu'on est data scientist ou data analyst, en général, notre premier input, c'est un fichier de données avec en ligne des individus et en colonne des variables. La vraie question qui se pose, c'est comment quitter de ce fichier qui est soit un CSV, soit un fichier Excel, soit un texte, soit un fichier SAS ou autre et l'utiliser en R. C'est exactement ce qu'on verra tout de suite. Nous allons maintenant voir ensemble comment est-ce qu'on importe des fichiers de données en R. Ici, j'ai trois fichiers. Un fichier CSV qui contient en fait en ligne les identifiants des salariés, l'âge, l'expérience, les salaires. Ce sont des données que j'ai générées bien évidemment. On aura le même fichier en TXT, c'est un fichier texte, et un autre en Excel. L'idée, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut importer tout type de fichier en R. Pour ça, on revient ici que sur le code que j'ai déjà préparé. On va commencer bien évidemment par le package Pacman qui nous permet de mieux gérer l'ensemble des packages dont on a besoin. Donc j'exécute cette ligne. Normalement, j'ai déjà Pacman, ça va très vite. On définit le chemin dans lequel se trouvent nos données. Pour moi, il est dans ce dossier data. N'hésitez pas à télécharger. Les fichiers sont sur mon GitHub. C'est en description. On commence par importer le fichier CSV. Pour importer le fichier CSV, en général, on a la fonction read.csv qui vous permet d'importer des fichiers au format CSV. Il suffit juste d'avoir le chemin d'accès vers le fichier pour l'importer. Ici, mon chemin a l'ensemble des trois fichiers, ça s'arrête à data. Je vais rajouter le nom de mon fichier. Vous voyez, chemin, j'ajoute, passe 0 permet en fait de concaténer
deux chaînes de caractères. Je vous montre à quoi ça ressemble. J'exécute ça. Vous allez voir, chemin, c'est, je n'ai pas exécuté ceci. J'exécute ça à nouveau. Chemin, c'est disponible ici. Si je fais chemin CSV, c'est disponible là. Et si j'affiche chemin CSV, vous allez voir, en fait, c'est tout simplement le lien vers mon fichier CSV. Voici le nom du fichier avec l'extension 6.csv. C'est tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir l'importer. La fonction read.csv. En R, si vous souhaitez savoir comment fonctionne une fonction, il suffit de faire un point d'interrogation, le nom de la fonction, c'est une fonction native de R. Et là, dans l'onglet Help, vous avez la description précise de comment vous pouvez utiliser en fait cette fonction. Par exemple, read.csv, vous mettez le lien vers le fichier, c'est file. Est-ce qu'il y a des entêtes, c'est-à-dire le nom de nos variables? En général, oui. Séparateur, est-ce que c'est la virgule? Est-ce que c'est le point virgule? Quoi d'autre intéressant dans cette documentation? Quote, décimale, comment est-ce que les nombres sont définis dans votre fichier? En général, c'est soit le virgule, la virgule en français, ou le point en anglais. Donc voilà à peu près la plupart des spécificités qu'on doit changer. Par exemple, ici, je mets le chemin que j'ai défini, je mets le séparateur, c'est la virgule, je mets comment est-ce que les décimales sont définies, c'est le point. Ici, j'exécute et je regarde mon fichier, je fais juste un view, je vous montre. Ici, il y a view, je mets données CSV que j'ai créées ici et ça va me permettre en fait d'afficher le tableau comme sous Excel. C'est un peu, comme sous Excel, c'est un peu ça l'avantage de R en Python. Je ne suis pas sûr que vous avez ça. Par exemple, vous voyez ici, j'ai la base de données, j'ai les salaires, j'ai la satisfaction et autres. Imaginez-vous qu'au lieu de mettre la virgule ici, j'avais mis le point virgule. Vous allez voir, ça ne va pas du tout marcher. Regardez. Si je mets le point virgule et j'affiche à nouveau, vous voyez, ça n'a pas bien dispersé en fait l'ensemble des colonnes. Le séparateur, c'était la virgule. C'est l'une des erreurs courantes en R. Si vous avez un problème d'importation, vérifiez le séparateur ou encore la prise en compte des décimales. Ici, c'est la virgule. Et la décimale, si je mets par exemple virgule, ça ne va pas bien reconnaître en fait l'ensemble des variables comme étant quantitatives. En fait, c'est ça le risque, tout simplement. Là, je viens d'importer mon fichier CSV. C'est essentiellement ça qu'il faut comprendre sur l'importation des fichiers CSV. Il faut connaître la fonction read.csv. Je mets le chemin d'accès vers mon fichier. Je fais attention au séparateur. Je fais attention à la prise en compte des valeurs numériques, également à l'entête. Si par exemple ici, je n'ai pas mis true, j'avais mis false. On va tester. J'avais mis par exemple ici false. Vous allez voir à quoi ressemble ma base de données. Il n'y a plus d'entête en fait. C'est V1, V2, V3. Ça ne considère pas les entêtes comme étant les noms des variables. Alors que lorsque je mets ici true, je peux mettre T ou true, ça ne change pas. Et que j'affiche, vous voyez, ça a bien pris en compte que l'ensemble des premières lignes sont les entêtes de mon fichier et les noms des variables. OK? Ça, c'est la première procédure avec un fichier CSV. Un fichier TXT, ça marche de la même façon. Un fichier TXT, ça marche de la même façon. Il suffit d'avoir le chemin que je concatène pour avoir le chemin vers le fichier TXT, juste ici. Une fois que j'ai ce chemin complet, j'utilise la fonction read.table. Pareil, si je veux savoir comment read.table fonctionne, je fais un point d'interrogation, read.table, et j'exécute. Et juste dans l'onglet, juste ici à côté, j'ai le fonctionnement de read.table avec l'ensemble des caractéristiques. N'hésitez pas à tester pour bien comprendre comment ça fonctionne. Vous allez voir l'ensemble des caractéristiques qu'on peut spécifier. Mais les plus importantes, moi j'ai mis ici reader égale à true pour spécifier les entêtes un peu comme dans le read.csv. Et si j'affiche, vous voyez, j'ai importé mon fichier au format TXT. Si je suis au format Excel, c'est la même chose. Cette fois-ci, j'aurai besoin d'un package read.xl parce que par défaut, en R, on a read.csv, on a read.table, mais on n'a pas read.xl. Donc, il faut charger le package read.xl qui est disponible sur le crâne. Vous voyez, payload me permet de charger. Ça n'existe pas. Et de l'installer s'il n'existe pas. Et je fais un read pour... ça n'existe pas, donc il faut l'installer. Juste ici. Je l'installe. Error, there is no package, c'est étrange ça. Ok, ça c'est bizarre. Ok, je recommence. Payload, je l'installe une fois de plus. Voilà, j'ai chargé le fichier. Une fois que j'ai chargé mon package, je vais utiliser la fonction read Excel. Pour comprendre que ça, comment ça fonctionne, je fais la même chose en fait. Point d'interrogation read Excel. Et je comprends le fonctionnement de la fonction. Et en général,
en général, programmeur R, c'est souvent connaître les bons packages. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un langage de programmation qui est très compliqué, parce que quand vous maîtrisez les bons packages, vous pouvez déjà bien avancer dans vos analyses de données. Vous voyez, read, Excel, je mets le schéma, je choisis même la feuille que je souhaite importer. N'hésitez pas à lire la documentation, c'est souvent très bien explicité, c'est souvent bien détaillé. Et l'un des avantages de R, justement, c'est qu'il y a une documentation conforme que l'ensemble des packages doit avoir. N'hésitez pas à les lire pour comprendre le fonctionnement. Pareil, je mets le schéma et je mets le nom du fichier Excel pour avoir le schéma. Et là, je mets le fichier schéma d'accès. J'aurais même pu, en fait, tout simplement, copier ce schéma comme ceci. Au lieu de mettre ça comme une variable, comme je l'ai fait là, et mettre comme ça. Et par bien sûr, il faut mettre, quand c'est comme ça, quand ce n'est pas une variable, il faut mettre des guillemets pour préciser que c'est un texte et j'exécute. Là, j'ai importé mon fichier Excel. Je fais juste un view avec un grand V. Attention, le view, c'est avec un grand V. View, données Excel. Vous allez voir, j'ai importé mon fichier. Je peux faire de la même manière, en fait. Au lieu de faire le schéma comme ça, ça réduit un peu. Ça réduit un peu la lisibilité. Ça améliore la lisibilité de votre code. Vous faites schéma Excel. Et vous importez de la même manière. View, j'ai mon fichier importé. La plupart du temps, lorsque vous allez travailler en tant que data scientist ou data analyst, vous allez manipuler les fichiers Excel, les fichiers CSV, les fichiers TXT. Vous pouvez également manipuler les fichiers JSON ou d'autres fichiers. Là, j'ai mis l'ensemble en fait, des packages. Par exemple, si JSON, il y a le paquet JSON Lite qui vous permet en fait, de travailler sur les fichiers JSON. Si vous avez les fichiers XML, vous avez ce paquet. Si vous avez les fichiers SPSS, Stata, ça, c'est possible en fait, de quitter d'une base de données Stata, SPSS ou SAS, et le travail directement en R. Et pour ça, vous avez le package Raven qui vous permet de faire cela. N'hésitez pas à installer, lire la documentation du package. Normalement, si vous allez sur Internet, par exemple, là, si on va sur Internet tout de suite et que je tape package Raven en R, package Raven, vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez voir la documentation, quand ça a été publié, l'ensemble des versions. Là, je regarde rapidement, est-ce que je vois la documentation, dites-moi README, voilà, ça vous donne comment ça fonctionne. Vous voyez, par exemple, ici, il y a read.dta pour les fichiers stata, SPSS, c'est read_sav, sas, read_sas. Vous voyez comment ça fonctionne. Et clairement, ça marche à tous les coups. Donc, à la fin, bien sûr, quand on a travaillé sur un code R, on n'oublie pas de nettoyer son environnement de travail. N'oubliez pas, franchement, ici, on a beaucoup de variables. J'ai fait un RM list LS pour pouvoir rendre mon environnement de travail vide et propre. Nous venons de voir comment est-ce qu'on importe des données Excel, CSV, TXT, Stata, SAS et autres en R. Maintenant, on passe aux choses très sérieuses. On verra comment faire des visualisations avec le logiciel R. C'est parti. On commence par faire des visualisations avec le module natif de R sans aucun package. Ici, on va commencer par installer le package, charger le package Pacman. Bon, ça, c'est classique. Là, on va mettre le chemin d'accès vers nos données. Ce sera les données qu'on a importées dans la partie importation. J'exécute. On va ouvrir le fichier CSV avec read.csv, le chemin d'accès vers le fichier. On met ici, ça, c'est le chemin d'accès vers le fichier qu'on utilise. Vous avez le fichier en description sur GitHub. On importe le fichier avec la fonction read.csv, le séparateur, décimal et les entêtes. On peut voir à quoi ressemble la base de données avec la fonction view grand V. J'exécute ceci. Et vous voyez, on a l'identifiant du salarié, de l'employé, on a l'âge, on a l'expérience, on a le salaire, on a la satisfaction. Donc, on va commencer par faire des graphiques pour essayer de comprendre cette base de données, le taux de turnover, les départements et autres. Donc, on a les variables à la fois quantitatives et qualitatives. Si je reviens sur mon code juste ici, on va transformer les variables qualitatives en facteurs. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément nécessaire à tous les coups. Donc, as factor, ça va considérer ça comme étant des facteurs avec plusieurs niveaux globalement. C'est ça. Je transforme également la performance qui est juste ici, qui est une variable qualitative faible, élevée, moyenne et autre. Je transforme également avec la fonction as.factor. Ça sera maintenant un facteur. Une fois que c'est fait, en machine learning, en data science, en tant que data analyst, on peut visualiser les variables qualitatives. En fait, en R, vous faites la fonction plot et automatiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'il va détecter le type de variable et va choisir le graphique adapté. Si on commence par exemple ici, avec la visualisation d'une variable qualitative, on va visualiser
les départements pour voir la répartition. Si j'exécute ce plot, données CSV, c'est la base de données. Pour accéder à une colonne dans une base de données, il y a le symbole dollar. Donc, si je fais, par exemple, ici, données CSV et que je fais dollar, ça me donne l'ensemble des colonnes. Par exemple, dollar idée employé, j'ai idée employé. Dollar âge, j'ai l'âge. Si j'exécute, vous allez voir, j'ai l'âge. Dollar quoi d'autre? Dollar expérience, j'ai l'expérience, vous voyez. Là, c'est l'expérience qui s'affiche juste ici. Je peux afficher ça. Je peux accorder, afficher, donner ça à une autre variable expérience, par exemple, que j'affecte à données CSV dollar expérience et que j'exécute. Si vous revenez ici dans mon environnement, vous allez voir que j'ai en plus expérience. Ça me donne, c'est un vecteur de taille 1 à 1000, tout simplement, en fait. Donc voilà. Ici, on va faire un plot sur la variable qualitative qui est département. J'exécute. Le plot, quand on l'exécute, ça s'affiche dans cet espace juste ici. J'agrandis un peu pour que vous voyez mieux. Donc, on a, en général, on a l'IT, on a le marketing, on a la R&D, on a la RH, on a la vente. On voit que la majorité sont du département vente. Donc, il a détecté automatiquement le type. Si, par exemple, je n'avais pas fait ce AsFactor, supposons que je réimporte ma base de données. Bon, j'ai réimporté. Si j'ai fait un plot comme je l'ai fait, en fait, ça ne marche pas. Quoique, ah, ça marche, ça m'étonne. Attends, je refais mon importation. Je refais, OK. Et que je fais le plot, ouais, ça ne marche pas, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, ici, j'ai fait AsFactor pour qu'il détecte ça comme étant une variable qualitative. Et quand je fais ça et que je réexécute, vous allez voir, normalement, le plot, il détecte automatiquement la nature et ça me fait un bar plot. Vous voyez que pour faire un bar plot en R, il suffit de faire un plot sur la variable qualitative en s'assurant d'avoir fait un AsFactor avant et tout marche bien. Si je veux mettre en place un graphique sur les variables quantitatives, ici, par exemple ici, le taux d'absentéisme, c'est une variable qui est quantitative. Juste là, vous voyez, c'est une variable qui a des, ce sont des chiffres et j'exécute. Vous voyez, ça me fait automatiquement un nuage de points. Donc ici, en abscisse, ça a mis des points au hasard de 1 à 1000, en fait. Et en ordonnée, ça met le taux d'absentéisme. Ça, ce n'est pas très intéressant en machine learning. Ce qui est souvent intéressant, c'est de faire le nuage de points entre deux variables. Donc lorsqu'on veut analyser deux variables quantitatives, on peut mettre en place un nuage de points. Donc quanti, je fais juste un plot. Je mets la première variable, c'est le taux d'absentéisme en fonction du taux de turnover. Donc, première variable, je mets une virgule, je mets la seconde variable avec la fonction plot et automatiquement, il détecte que je veux faire un point, un nuage de points. Ici, ça me donne la variable en X, c'est le taux d'absentéisme, en ordonnée, le turnover. Vous voyez, c'est comme ça, en fait. Juste le plot, ça détecte la nature. Si, par exemple, je veux faire quoi d'autre? Je fais un plot sur la base de données globale. Je vais plutôt faire plutôt un plot entre qualitatif, quantitatif. En général, lorsque vous avez une variable qualitative et une variable quantitative, vous voulez souvent mettre en place ce qu'on appelle les box plots bivariés. Donc là, je mets en X ma variable qualitative qui est le département et Y la variable quantitative qui est le taux de turnover. Et je fais juste plot, ça me détecte que je veux faire un box plot bivarié. Automatiquement, la fonction plot de R choisit le graphique adapté en fonction de la nature de la variable. Comme vous voyez ici, en X, on a la variable qualitative et en ordonnée ici, le taux de turnover. Donc voilà à peu près comment fonctionne le plot. Si vous voulez voir d'autres détails sur plot, il suffit juste de mettre ici un point d'interrogation. C'est une fonction native de R, pas besoin d'installer de package. Point d'interrogation plot. Et là, vous avez la documentation associée. Vous pouvez lire, générer X, Y, plotting. Donc il faut mettre un X, Y avec plusieurs arguments. OK. Si par exemple, je veux faire un plot de l'ensemble de bases données, je mets juste ma base données CSV qui est la base que je viens d'importer. Je fais plot. Ça va faire un pair plot, ce qu'on appelle pair plot. Donc ça va faire des graphiques 2 à 2. Il me dit c'est tout là. Je veux effacer le graphique que j'avais avant pour effacer les dimensions. Et là maintenant, normalement, voilà. Vous voyez, il va me faire un pair plot. Ça va faire le graphique des variables 2 à 2. Là, ce n'est pas très lisible. C'est lié à la nature de mes données. Si je fais plutôt cela sur la base de données Iris qu'on a dans le package dataset. Dans dataset, il y a plusieurs bases de données. Si je fais plot iris, vous allez voir que j'aurai un graphique un peu plus intéressant. Bon, là, je vais effacer aussi. Ça arrive souvent qu'il y a des problèmes d'affichage. N'hésitez pas à effacer les dimensions qu'il y avait avant avec ce balai et exécuter à nouveau comme je le fais là, vous voyez. Avec iris, il me fait un graphique qui est un peu plus joli entre l'ensemble des variables. Spices, petal width, petal length, sépal width, sépal length. On a les variables, les graphiques bivariés. C'est souvent intéressant pour avoir une visualisation rapide de vos données. Je vous recommande cela si vous n'avez pas trop de variables.
Si vous avez trop de variables, honnêtement, ce n'est pas très intéressant d'utiliser ça parce que non seulement ce n'est pas visible, et en plus, ça ne vous aide pas forcément. Donc, pour des visualisations rapides sur une base de données qui n'a pas beaucoup de lignes, je vous recommande cette fonction. Okay? Là, on a fait des premiers graphiques qui sont plutôt génériques, on va dire. Ce n'est pas personnalisé. En général, vous avez souvent besoin d'avoir des graphiques plus beaux avec de meilleurs noms sur les X et les Y. Pour ça, on va personnaliser l'ensemble de nos graphiques. Par exemple, mettre un tigre. Un graphique doit parler par lui-même. Ici, par exemple, je vais faire taux d'absentéisme en fonction de quoi ? En fonction du taux de turnover. Je mets ici le tigre taux d'absentéisme et main permet ici de mettre le titre, tigre du graphique. Ensuite, je rajoute une virgule. Xlab, ça me permet d'avoir le titre de l'axe des abscisses. Donc ici, mes taux d'absentéisme. Ylab me permet d'avoir le titre de l'axe des ordonnées. Ici, c'est le type, est-ce que je veux des points, est-ce que je veux des traits. Ici, le 19 va faire en sorte que j'aurai des points, en fait. Des rangs, type de points que je choisis. Il y en a plusieurs, n'hésitez pas à lire la doc pour voir, en fait, quelles sont les possibilités. La couleur, est-ce que je veux du rouge, du bleu, du jaune. Ici, je mets bleu. Ici, c'est la taille, en fait, des points que j'utilise. Si j'exécute ça, vous allez voir, le graphique a complètement changé d'allure parce que j'ai personnalisé, j'ai choisi des points, j'ai mis un tigre sur les axes, vous voyez. C'est comme ça que ça fonctionne. Si je veux pas mettre le rouge ici, mais ouais, je mets juste ici. Je change la couleur. Et là, je mets red. Si je veux la couleur rouge, vous voyez que ici, mes points deviennent rouges. Si je change la taille et que je mets ici 0,5 par exemple. Et là, le graphique sera également personnalisé. Donc avec le module natif de R, vous pouvez déjà personnaliser l'ensemble des éléments de votre graphique. Okay? On peut même rajouter... Imaginez-vous, comme c'est un nuage de points, lorsqu'on fait une régression linéaire, on a souvent besoin d'ajouter la droite de régression. Vous pouvez donc rajouter la ligne avec la fonction qui est juste ici. Upline, LM, ça c'est la régression linéaire en R. Je mets mes données X et Y et je mets la couleur que je souhaite. Là, je vais remettre en bleu les points. Je vais remettre en bleu mes points parce qu'ici j'ai mis le rouge, sinon ça ne sera pas lisible. Et je rajoute ça directement sur le graphique que j'ai plus haut. Et là, vous voyez, là, ça n'a pas changé. Il faut que j'exécute d'abord ceci. J'exécute d'abord mon premier plot. Upline me permet d'ajouter une ligne sur le graphique. Vous voyez, et là, ça m'a rajouté une ligne. Donc, voilà. La personnaliser, on peut me rajouter des grilles, un peu comme sur Excel. Il y a la fonction grid. Et là, vous mettez les caractéristiques. N'hésitez pas à lire pour mettre des grilles sur vos graphiques avec cette fonction. Et là, vous voyez, c'est un graphique avec des grilles. Tout à l'heure, il y a quoi d'autre? Donc, on peut également rajouter une légende. Quand on fait un graphique, ça doit parler par lui-même. Il rajoute une légende pour expliquer ce que signifie le bleu, qu'est-ce que signifie le rouge. Et là, vous avez l'option légende. Vous mettez la position top left, ça sera à gauche, en haut à gauche. Et je mets les points signifient le bleu en bleu et la régression en rouge. Par exemple, là, si j'ajoute la légende, automatiquement, vous voyez, là, j'ai la légende qui a été rajoutée sur mon graphique. Je pourrais par exemple mettre top right, mettre à droite. Ça, bon, je vais ça va me rajouter une autre légende à droite. Je peux rajouter, bref, vous voyez, vous pouvez changer et mettre la légende comme vous souhaitez. Donc voilà à peu près les premiers types de graphiques en R. Et bien entendu, quand on termine, il faut toujours effacer tout pour pouvoir avoir un environnement propre et l'esprit clair également. Nous avons vu jusqu'ici comment faire des graphiques simples avec le module natif de R, la fonction plot, rapidement. Maintenant, on va voir ensemble comment faire des graphiques encore plus personnalisés en R. Pour ça, on va travailler avec la base de données qui contient en fait des données sur les personnels, les employés d'une entreprise. On commence bien évidemment ici par installer et charger notre package Pacman. Là, c'est le chemin d'accès vers notre fichier. On va l'importer sous forme de CSV, read.csv, je l'importe. Une fois que c'est bon, on peut visualiser à quoi ressemble la base de données. Vous avez ici les identifiants des employés, l'âge, l'expérience, le salaire, la satisfaction, le département, le taux d'absentéisme, la performance, le taux de turnover. Donc voilà notre base de données. On va visualiser cette donnée-là. Okay? On va commencer par transformer ces variables en qualitatives, évidemment. Pour pouvoir visualiser les données, on commence par les variables qualitatives. En général, en analyse de données, lorsqu'on a des variables qualitatives, il y a deux types de graphiques qui sont très souvent utilisés.
Le premier, c'est ce qu'on appelle les bar plot ou encore diagramme en bas en français. Et le second, c'est ce qu'on appelle pie chart ou encore le camembert. Comment ça fonctionne? Si on veut faire le bar plot en Python, il y a la fonction bar plot, mais surtout éviter de faire bar plot données $CSV parce que ça ne marchera pas du tout, vous voyez. Ici, on a une erreur. Ça doit être un vecteur, en fait. Pourquoi ça doit être un vecteur? Parce que avant d'utiliser la fonction bar plot, il faut commencer par déterminer la répartition de la variable qualitative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour chaque modalité, il faut avoir en face le nombre d'individus qui prennent cette modalité-là. Okay? C'est pour ça qu'ici, je commence par faire un table données CSV $département. C'est la première étape, ça me permet d'avoir le nombre d'individus par département. Vous allez voir, si j'ai fait le table et que j'exécute, juste ici en bas, vous allez voir, en IT, on a 192 individus, marketing, 165 employés, R&D, 201 employés, RH, 197 employés, vente, 245 employés, première étape. Et je peux stocker ça dans une variable. Et quand je stocke dans une variable, normalement, les variables sont disponibles ici, à ce niveau, dans l'environnement. Bon, je vais laisser comme ça. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai la répartition, par département. Maintenant, je peux utiliser ma fonction barplot pour faire mon graphique, en fait. Là, je vais un peu agrandir un peu plus. Et puis voilà. Pour faire mon graphique, juste là, quand vous avez cette erreur, vous savez que l'espace est trop petit pour afficher le graphique. N'hésitez pas à agrandir juste un peu pour voir le graphique. Vous voyez ici la répartition par département. On voit que dans le département vente, on a plus d'employés. Ensuite, on a R&D. Ensuite, un RH. Ce graphique, il est neutre. Lorsqu'on travaille, on a souvent besoin de personnaliser nous-mêmes notre graphique, changer la couleur, mettre des actes et autres. Pour ça, vous mettez toujours bar plot, vous mettez votre base avec les répartitions. Avec main, vous mettez le titre du graphique, nombre d'employés par département. Xlab, vous mettez le titre de l'axe des zips, le département. Ygetlab, le titre de l'axe des ordonnées. Le nombre d'employés, vous pouvez changer la couleur avec col. Vous pouvez soit roter ou non les étiquettes. Par exemple, là, si j'exécute ceci, vous allez voir que je vois un graphique qui est un peu plus personnalisé avec une couleur qui me plaît un peu plus. Vous voyez, c'est en bleu. Et là, j'ai les tiges, j'ai la légende, et pas la légende, j'ai le titre des axes des X et des axes des ordonnées. Si je veux retourner l'axe des X, je fais juste ici, je mets 2. Si je mets 2, tac, et là, c'est tout là. Je savais qu'il faut que j'agrandisse aussi ici. Et je réexécute, c'est vrai que c'est trop petit. Là, voilà, ça marche. Vous voyez, ça a été retourné. Ça peut être soit intéressant de retourner, notamment quand vous avez beaucoup de modalités en général en pratique. On peut également faire le plot, mais le plot ne sera pas aussi présentable que ce qu'on a vu. Le plot fait ça, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite exactement. En général, lorsqu'on travaille sur les variables qualitatives, okay, sur ce graphique, on a quoi? On a le nombre. C'est souvent aussi intéressant d'avoir la répartition. Combien de pourcents représentent les employés du secteur vente? Là, j'ai seulement le nom, mais je ne connais pas le pourcentage. Pour avoir le pourcentage, je vais faire ce qu'on appelle un prop point table qui me donne en fait la répartition en termes de proportion sur mon effectif, les effectifs que j'avais. Je fais le prop point table pour avoir la proportion. Okay? Si j'exécute ça, voici la proportion. Ici, on voit que dans la vente, on a 24% des employés, R&D 20%, marketing 16%. Je peux donc refaire le graphique, cette fois-ci en changeant effectif département que j'avais mis ici, par la proportion par département, juste ici. Si j'exécute le code maintenant, on change le graphique, vous voyez. Là, on a la proportion. Okay. L'une des remarques que je peux avoir sur ce graphique, c'est que okay, j'ai la répartition, j'ai la proportion, mais je ne sais pas combien ça vaut. Il sait que c'est plus de 20%, mais je ne sais pas combien. Ça peut être intéressant de mettre la valeur juste au-dessus. Et pour ça, vous avez l'option texte qui vous permet de rajouter. Là, j'ai créé la variable BP qui contient en fait mon graphique. Je mets ici BP qui est le graphique. Je mets les proportions et je mets la position de ces éléments. Et là, je mets les labels. Okay? Si j'exécute, vous allez voir. Maintenant, mon graphique, on a en plus les proportions. 24%, 0,2. Ça peut être intéressant en pratique. Donc voilà la première option, les bar plots. La deuxième possibilité que vous avez sur les variables qualitatives, c'est de faire le pie chart, le diagramme circulaire, le camembert. En général, c'est recommandé pour les variables qui ont moins de 5 modalités. Quand il y en a trop, faites le bar chart parce que c'est plus lisible. Et pour créer un camembert en R, vous avez pie, la fonction pie en fait, en R, et vous mettez la proportion ou encore les effectifs, comme tout à l'heure. Et vous avez ici les caractéristiques pour personnaliser cela. Ici, j'exécute.
vous allez voir, on aura un diagramme circulaire. Là, pareil, en fait, quand ça fait ça, n'hésitez pas à agrandir et réexécuter votre code pour avoir un graphique. Voilà. Vous voyez, j'ai le diagramme circulaire. Ce qui manque ici, bien sûr, c'est la légende. Vous pouvez rajouter la légende, bien sûr, ici, légende. La position top right, ce sera à droite. Et l'ensemble des caractéristiques pour remplir la légende. Vous voyez, là, j'ai mis dans ma légende. Il faut agrandir un peu le graphique pour que ce soit un peu plus visible, à peu près. Donc, voilà à peu près la légende qui a été rajoutée. Vous pouvez changer la position pour mettre à jour l'ensemble des éléments. Okay. Pour les variables qualitatives de graphique, bar chart ou encore pie chart. Lorsque vous avez des variables quantitatives, cette fois-ci, ce qui est intéressant à faire, c'est premièrement l'histogramme, le box plot ou encore la courbe de densité. On a trois graphiques, histogramme, box plot et courbe de densité. En termes d'histogramme en R, c'est assez simple. Vous avez la fonction hist. Cette fois-ci, on va prendre la variable salaire de notre base de données, hist. Et si j'exécute ça, vous allez voir, cette fois-ci, on a l'histogramme qui a été généré de la variable qualitative. Pareil, on peut toujours personnaliser comme on le souhaite. Comme je l'ai mis ici, on met le nom, on met l'axe des X, on met la couleur, on met la bordure aussi. Si je fais ça, on aura un histogramme. C'est tout lâche. Ok, j'agrandis encore. Voilà, il faut que je fasse comme ça. Comme ça, vous allez mieux voir mon graphique. Voilà, là, j'ai changé à peu près la caractéristique. Ça permet souvent de savoir est-ce que c'est normalement distribué, est-ce que c'est centré. Voilà à peu près les informations. Est-ce qu'il y a des outliers? Ça permet d'avoir une idée. On peut aussi faire ce qu'on appelle la courbe de density. Ok, density plot. Je fais density, données CSV. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça, c'est ma densité. Et je fais un plot, density plot. Et si je fais le plot, vous avez la courbe de densité. C'est la densité pour voir déjà l'allure en fait de notre cible, de notre variable cible. Aussi, le box plot, vous avez la fonction box plot sur le salaire. J'exécute ça et vous voyez à quoi ressemble le box plot. Pareil sur le box plot, on peut personnaliser. On met box plot, on met Y lab, on met la couleur et on peut choisir aussi est-ce que c'est vertical, est-ce que c'est horizontal. Là, ça change. Là, c'était vertical, maintenant on va mettre de façon horizontale. Vous voyez, ça change. On met aussi, on met ici false. False, ça peut être false ou F. Exécute. Vous voyez, là maintenant, c'est vertical. Voilà. On a fait les box plots variables quantitatives. C'est assez simple. Vous pouvez changer la couleur. Si je mets par exemple ici, j'aime bien le rouge. Je mets le rouge ici, red. OK, j'exécute. Je peux changer la couleur comme je souhaite. On vient de voir comment est-ce qu'on réalise des graphiques pour des variables qualitatives ou encore des variables quantitatives. Dans la pratique, après avoir fait ce qu'on appelle les stats univariés, après avoir fait des graphiques univariés, on peut mettre en place des graphiques bivariés, c'est-à-dire entre une variable quantitative et une autre variable quantitative. L'idée de ces graphiques bivariés, c'est de comprendre les liaisons, les corrélations entre ces variables-là. Okay? Lorsqu'on a deux variables quantitatives, le graphique recommandé, c'est de faire un nuage de points. Ça permet d'avoir une idée sur les relations, sur la corrélation, sur l'évolution des deux variables. Okay? Pour faire justement ce graphique en R, il faut juste faire un plot. Je mets la première variable, c'est l'âge en fonction du salaire. Est-ce qu'il y a une relation entre l'âge et le salaire? Est-ce que c'est linéaire? Est-ce que c'est exponentiel? On peut modifier, donc j'exécute ça. Je fais le plot entre les deux variables. Et là, vous voyez, j'ai ma relation entre l'âge et le salaire. Bon, là, je n'arrive pas à bien interpréter, c'est sûr que ce n'est pas linéaire, mais ça permet d'avoir en fait la corrélation entre les deux. Quoi d'autre? On peut également faire qualitatif, quantitatif, pour voir est-ce qu'il y a une liaison entre les modalités de ma variable quantitative, de qualitative et la variable qualitative. C'est ça en fait l'intérêt. Donc boxplot bivarié, je fais boxplot, je mets ma variable quantitative et je mets ce symbole de tilde là, je mets la variable qualitative et je mets les caractéristiques pour bien définir mon graphique. Puis j'exécute. Vous allez voir que pour toutes les variables qualitatives, j'ai la distribution de ma variable quantitative. Est-ce qu'en IT, on a un salaire plus élevé. Moi, j'analyse souvent ici la médiane. Et s'il y a des outliers, on aura des points à l'extérieur des deux bas. C'est ce à quoi sert ce graphique, en fait. Donc, vous voyez, variable, on a déjà fait les analyses uni et bivariées. On peut aussi faire en R des graphiques superposés. Okay? Par exemple, j'ai l'histogramme. Ce qui est souvent intéressant en machine learning ou encore en statistique, c'est d'avoir non seulement l'histogramme, mais la courbe de densité sur le même graphique. Je vais vous montrer tout de suite. Avec hist, juste là, j'ai ma courbe de densité, comme on a vu tout à l'heure, mon histogramme. Avec hist, j'ai mon histogramme. Maintenant, je calcule la courbe de densité et que je vais ajouter sur ce même graphique aussi. Je fais juste un lines
et je mets ma courbe de densité, je choisis la couleur et la taille. Vous voyez, maintenant, en plus de l'histogramme, juste avec l'option line, je peux rajouter line plusieurs fois. Je peux rajouter, peut-être ici, green. Je peux rajouter plusieurs coups, autant que je souhaite. Mais par exemple, green. Bon, ça va se superposer parce que c'est la même courbe. C'est la même courbe. Donc, je vais laisser ce que j'avais avant en rouge. Voilà. Et ensuite, on peut rajouter la légende, la position, le nom et autres. Donc, j'ajoute la légende. Et vous voyez, la légende a été ajoutée au graphique. N'hésitez pas à changer la position pour avoir un graphique qui est plus lisible. Par exemple, ici, vous pouvez mettre, par exemple, bottom left. Bottom left. Pour avoir une autre légende, c'est possible de personnaliser. Ou bien, vous voyez ici, j'ai ma légende. Donc, n'hésitez pas à tester plusieurs positions pour avoir une légende qui est plus lisible que ce que j'avais mis tout à l'heure. On peut mettre bottom right aussi. À chaque fois, ça va rajouter la légende. En bas à droite. Voilà, ça change à chaque fois. N'hésitez pas à relire. OK, donc là, on a vu comment est-ce qu'on superpose plusieurs graphiques en R. C'est possible, en fait, de faire sur un même schéma plusieurs graphiques côte à côte. Et pour ça, vous avez une fonction très intéressante qu'il faut comprendre. C'est la fonction par. Par MFO, ça permet, en fait, si vous faites juste un point d'interrogation, par, vous allez voir à quoi ça sert. En fait, ça permet de séparer le graphique en plusieurs carrés. Par exemple, ici, si je mets C de 1, 2, ça veut dire que j'aurai une ligne et deux colonnes. En fait, ça va séparer cet espace graphique en plusieurs carrés. Et je pourrais rajouter des graphiques dans un carré, étape par étape. Par exemple, là, je divise en deux. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je fais l'histogramme, juste ici, vous voyez, c'est divisé en deux, c'est un carré, c'est deux. Donc, il y a l'histogramme ici. Je peux rajouter un autre graphique juste ici. Par exemple, je peux rajouter un autre histogramme, en fait, à côté. Mais je peux rajouter plus. C'est seulement deux. C'est limité à deux. Passer, par exemple, par MFO, je veux deux lignes et deux colonnes. Je rajoute, par exemple, là, je change la division de mon espace graphique. Je modifie la division de mon espace graphique. Là, je viens de modifier. Maintenant, ça sera deux lignes, deux colonnes. Je peux rajouter quatre graphiques. Et là, par exemple, je mets cet histogramme, vous voyez, ça prend un coin. Si je rajoute une fois de plus ce box plot, ça prend le coin à droite. Je peux rajouter peut-être le box plot, un autre graphique à nouveau. Par exemple, je peux rajouter quel graphique? Ctrl Z, tac. Et là, je peux rajouter le graphique sur l'âge. Et là, vous allez voir, ça va mettre juste en bas ici. Et l'autre graphique va se mettre ici. Je peux mettre un graphique sur les... niveau de rémunération. Taux d'instantanéisme. Soit je vais mettre celui-là. Et là, ça va le mettre juste ici, en fait. C'est ça, par MFO. Ça vous permet, en fait, de mettre plusieurs graphiques sur le même interface. Vous pouvez télécharger ce graphique ici en faisant save as. C'est trop grand. Après, il faut adapter les dimensions. Vous pouvez save as et enregistrer ça sur votre espace de travail. N'hésitez pas, on peut changer. Par exemple, si vous voulez mettre trois lignes et deux colonnes, donc adaptez ça selon vos besoins. C'est ce à quoi c'est pas MFO. Changer en fait les dimensions de l'espace que vous avez là et mettre au fur et à mesure des graphiques dans votre espace des dimensions. Et à la fin de tout travail en R, on supprime toutes les données de l'environnement pour avoir un espace propre. Voilà, j'espère que vous êtes toujours prêts à monter en compétences en R. Franchement, c'est un langage que moi j'adore. On a vu jusqu'ici comment est-ce qu'on installait RStudio. On a vu la gestion, l'installation des packages. On a vu le train. On a vu le package magique que je vous recommande, Pacman. On a vu comment est-ce qu'on prend en main R, on démarre efficacement avec la création des variables, l'affectation égale et le symbole d'affectation. On a vu la définition des fonctions, on a vu les vecteurs, comment est-ce qu'on accède aux éléments dans un vecteur. On a vu comment est-ce qu'on importait les données, CSV, Excel, TXT. On est allé plus loin, on a vu la visualisation des données avec les modules natifs de R, que ce soit les bar plot, le plot, le box plot, pie chart et autres. Maintenant, on va passer à la partie statistique. Comment faire des stats rapides en R? Ça se passe tout de suite. Maintenant, voyons ensemble comment est-ce qu'on fait les stats basiques en R. OK, on commence toujours par installer le package magique que je vous recommande, Pacman. Ici, c'est le chemin d'accès vers le fichier de données qu'on va travailler. Ça se trouve en description. Ensuite, on importe le fichier parce que c'est un fichier CSV qui contient les données sur les employés des entreprises sur lesquelles on travaille, l'âge, l'expérience, le salaire, la satisfaction, département, taux d'absentéisme et autres. Une fois qu'on a nos données, on les a importées, on a visualisé. Les stats basiques que je vous recommande à faire est, premièrement, il y a la fonction, déjà, Summary, qui est juste ici, qui vous permet en fait d'avoir un résumé rapide
sur l'ensemble de la base de données. Je peux commencer par la variable qualitative. Si je fais un summary, données underscore CSV, dollar département, ici, j'aurai une statistique, en fait, sur ma variable qualitative. Je vais tester ça. Sur ma variable qualitative, il faut d'abord que je mette un facteur pour avoir de bonnes statistiques, comme vous le voyez. Pour chaque département, j'ai le nombre d'employés pour la variable qualitative. Donc, il comprend automatiquement en fonction de la nature. C'est pour ça que je fais ici ce as.factor pour bien spécifier que ça doit être pris en compte comme étant une variable qualitative. Je fais mon summary, ma variable qualitative, c'est la repartition. Sur la variable qualitative, je peux aussi faire un table comme ça. C'est pour avoir la repartition. Si je fais le table, et là j'ai la même chose en fait. Table. Je peux aussi faire un prop.table pour avoir la repartition en termes de pourcentage. En général, si vous faites ceci, ça ne marche pas. Il faut faire le prop.table sur le table. En gros, je fais d'abord le table pour avoir la repartition. Ensuite, je fais le prop.table pour avoir la repartition en termes de proportion. C'est ça pour les variables qualitatives. Okay? Pour une variable quantitative, c'est pareil. En fait, j'utilise toujours ma fonction summary et automatiquement, en fonction de la nature, rassurez-vous que la variable est bien quantitative. En fonction de la nature, juste là, vous voyez, ça me donne cette fois-ci le minimum, le premier quartile, la médiane, le min, le troisième quartile et le maximum, automatiquement, en fonction de la nature. C'est parce qu'il comprend que c'est une variable quantitative. Vous pouvez remplacer l'âge par votre variable quantitative pour avoir vos résumés. Et ce qui est plus rapide et plus efficace, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de variables, c'est utiliser la fonction summary si toute la base de données. En gros, je prends ma base de données avec tous les types de variables et je fais mon summary. Ça va me donner le résumé de toutes les variables de la base, ok? Pour toutes les variables, par exemple, ici, idée employée, j'ai le minimum, premier quartile, la médiane qui sépare en deux pour cette population, il y a 500. L'idée, ce n'est pas très pertinent, mais il faut interpréter plutôt l'âge. Par exemple, je me rends compte que 50% des employés de l'entreprise ont moins de 39 ans et 50% ont plus de 39 ans. Premier quartile, comment est-ce qu'on interprète? 25% ont moins de 39 ans et 75% ont plus de 29 ans. Le troisième quartile, 25% ont plus de 49 ans et 75% ont moins de 49 ans. Le maximum, c'est 59 ans, le plus vieux. L'expérience, vous avez, c'est pareil. En fait, n'hésitez pas à interpréter comme ça l'ensemble des variables qui a été mis ici. Au niveau de la performance, vous voyez, il comprend automatiquement. Si je prends le département, il ne m'a pas donné le min, le max et autres. Il m'a donné la repartition. Donc, voilà pourquoi comment fonctionne la fonction summary. Premier réflexe sur les bases de données en R. On utilise Summary sur notre base de données après avoir bien sûr vérifié le type. Et pour pouvoir vérifier le type, vous pouvez juste faire type of. Il y a la fonction type of qui vous donne en fait le type de vos données. Juste là, si je fais ça, il va me dire que c'est un data frame, c'est une liste, pardon. Maintenant, si je fais type of de ceci, il va me dire normalement que c'est, vous voyez, c'est un integer. Vous faites juste un type of de votre variable et vous avez le type de l'ensemble des éléments de cette base de données. Ça, c'est la première approche pour avoir les résumés rapides en R. Si vous souhaitez également avoir un résumé rapide, il y a une deuxième fonction du package Psych qui est juste là, que j'utilise Payload pour l'avoir. Ça télécharge automatiquement parce que je ne l'avais pas. Et je peux charger avec Library de ce package. Library, c'est entre parenthèses, comme ça. Quand j'ai chargé, il y a la fonction describe qui vous permet en fait de décrire la base de données avec des éléments encore plus précis que summary. Et là, je veux décrire l'ensemble des variables quantitatives. Okay? Donc ici, données sapply, ça permet de récupérer l'ensemble des variables quantitatives qui est disponible dans ma base de données. Et ça me donne en fait l'ensemble des caractéristiques. Vous voyez, c'est beaucoup plus précis que summary. J'ai non seulement le nombre d'observations juste ici, mais en plus, j'ai des informations qui sont plus précises que ce qu'on avait avant et c'est mieux organisé. On peut l'utiliser directement comme tableau. On a la moyenne, on a le maximum, on a l'intervalle interquartile, on a le skewness, le kurtosis et autres. Donc voilà à peu près les deux fonctions que je vous recommande. Vous pouvez faire la même chose pour les facteurs, is.factor. Vous voyez, quand j'ai fait as.factor, ça transforme en facteur. Et is.factor permet de déterminer en fait les facteurs. Si je fais describe, automatiquement, en fait, ici, ça fait étoile. C'est pour me dire en fait que c'est un facteur. Donc, il ne faut pas interpréter ces variables. Je peux faire le describe sur
la base de données globale, vous voyez, les étoiles, ce sont les facteurs. Ça montre qu'en fait, que c'est pas très, on peut pas calculer en fait la moyenne sur les facteurs. C'est pas possible, on n'interprétait pas ces différentes valeurs là. Okay. Là, on a fait la description sur la base globale, sur la base totale. Ça peut arriver que je veux décrire uniquement une sous-partie de la population. Ok, c'est pour ça qu'ici, sur la base de données, sur le data frame, je peux faire mon graphique, par exemple, uniquement sur les... Si je prends, par exemple, les salaires, si je fais l'histogramme des salaires pour lesquels les performances sont élevées. Regardez, je prends ma variable salaire et je fais un filtre. Ceci permet de faire un filtre. Si je fais ça, je n'ai pas bien exécuté. Si je prends plutôt ceci, en fait, ça va prendre la variable performance et ça va regarder si, pour chaque ligne, comparer est-ce que la performance est élevée ou pas, et ça me donne true ou false. Donc on aura des true ou des false, et lorsque j'ai fait dollar entre crochets ceci, ça me donne l'ensemble des informations pour lesquelles le salaire de l'individu a la performance élevée. Donc je fais un filtre sur une sous-catégorie, donc, et là je fais l'histogramme uniquement sur cette partie là c'est comme ça qu'on fait des filtres en R. Donc je peux faire l'histogramme uniquement sur cette partie qui est juste ici. Je recommence mon graphique, ça. Voilà, vous voyez, c'est uniquement pour les performances élevées. C'est ça, en fait, le filtre. Si je n'avais pas fait le filtre, je n'aurais pas le même graphique, en fait. Je peux aussi faire un filtre par valeur. Donc, je vais voir le taux d'absentéisme inférieur à un seuil que j'ai défini. Donc, là, c'est une variable qualitative pour le filtre dans la base de données. Je peux faire le filtre sur une variable quantitative. Taux d'absentéisme inférieur à ceci. Vous voyez, j'ai toujours des trous ou des false. Et là, je peux faire l'histogramme, cette fois-ci, sur des valeurs pour lesquelles le taux d'absentéisme est inférieur à 5%. Et là, j'ai encore mon même problème. J'améliore à nouveau. Voilà, j'ai un autre histogramme qui est différent de ce qu'on avait avant parce que le filtre, il a changé. Okay? Ce qui est aussi intéressant en R, c'est qu'on peut créer des échantillons. En général, en machine learning, on peut juste avoir besoin de travailler sur les individus qui sont dans le département vente. Okay? Donc, j'ai mon CSV ici. Je fais le filtre là sur les individus qui sont dans le département vente uniquement. Donc, c'est une partie de ma base de données. Si je regarde ça, j'ai une nouvelle base de données qui contient uniquement les individus qui sont dans le département vente. Si je regarde département, vous allez voir tout le monde dans le département vente. J'aurais pu faire la même chose pour IT et autres. Et quand je fais ça, je peux refaire en fait mon histogramme sans avoir besoin de rédiger la longue ligne de code que j'ai mis ici. En fait. Et là, je fais l'histogramme suivant subset parce que c'est summary sur la sous-partie, comme là. Donc, c'est la sous-partie que j'ai choisie. J'ai fait l'histogramme sur cette sous-partie aussi. Et voilà à peu près l'ensemble des stats qu'on peut mettre en place en R. N'hésitez pas à tester de votre côté. Les codes sont disponibles en description. Et comme d'habitude, quand on finit son travail, on n'oublie pas d'effacer l'ensemble des variables qui sont juste ici. Ça y est, on a vu ensemble comment prendre en main le logiciel R. On a vu comment mettre en place des graphiques basiques. On a vu comment est-ce qu'on met en place les statistiques basiques. Lorsque vous travaillez en langage de programmation, la première question que vous devez vous poser, c'est de savoir comment sont disposées les données dans ce langage. Parce que lorsqu'on est data scientist, on est data analyst, on travaille avec les données. Comment est-ce que R gère les données? Quels sont les différents types de données disponibles en R? C'est exactement ce qu'on verra tout de suite dans cette partie de la vidéo. Let's go! Maintenant, nous allons parler des types de données en R. Premier type de données à maîtriser, c'est bien sûr les nombres, les chiffres. Vous avez les nombres entiers et les nombres décimaux. Un nombre entier, ça s'écrit juste ici, 42, donc j'affecte entier, j'affecte la valeur 42. Un nombre décimal, c'est avec la virgule. La virgule, c'est le point en R. C'est pas la virgule, c'est le point. En français, c'est la virgule, je sais. Mais en R, c'est le point. Donc, vous voyez ici, j'ai mes deux variables qui ont été créées juste là. Ensuite, vous pouvez faire 4, c'est pour afficher en fait les deux éléments. Vous voyez, entier, 42, décimal, 3,14. Donc, c'est très utilisé en data science pour faire les calculs numériques, les analyses statistiques ou encore la modélisation. Donc, c'est vraiment le type de données de base. Vous avez également les chaînes de caractères. Et ça s'écrit comment? Avec les côtes, les crochets. C'est comme ça. Ceci, c'est une chaîne de caractère simple. Vous pouvez faire type of pour avoir le type. Type of. Et je mets ma variable. Ça me dit c'est un entier. Vous voyez? C'est un double, ceci. Pourquoi c'est un double? C'est bizarre, ça. Attendez. C'est un double. Toc. OK. C'est un double. Et le décimal, donc ça, en fait, ça stocke par défaut en double. OK. Si je prends par exemple type of, chaîne de caractère type of,
et je mets plutôt ceci. Vous allez voir cette fois-ci, ça sera, ça n'existe pas. Bienvenue. Voilà, c'est un caractère, c'est une chaîne de caractères. Si c'est longue, pareil, ça va m'afficher une chaîne de caractères. Et là, je peux afficher les deux. Chaîne de caractère simple, bonjour. Chaîne de caractère longue, ceci est une chaîne de caractère plus longue. Ça, c'est un autre type. Les chaînes de caractère, les entiers, les numériques. Vous avez également ce qu'on appelle le type booléen, vrai, faux, en général. Donc, vous avez ici vérité, true, faux, false. Donc, c'est avec grand F. Je peux aussi faire juste un T en R, il comprend que c'est true. Et juste un F en R, il comprend que c'est faux. Donc, j'exécute ça, vous allez voir. Et si j'affiche, ouais, true, false. J'ai juste mis un T, il comprend effectivement que c'est true ou false. C'est bien un grand T. N'écrivez pas ceci. Ça, ce n'est pas true. Ça, ce n'est pas un true en R. Il faut vraiment écrire en majuscule. Pareil, ceci, ce n'est pas un false. Il ne comprend pas. Si j'exécute ça, il va me générer une erreur. False n'existe pas. Mais par contre, si j'écris false, et là, j'exécute, il comprend bien que c'est un booléen. C'est utilisé pour les tests logiques, pour faire des filtres sur les data frames avec des conditions. Donc, c'est très important, ceci. Maintenant, on a vu les types de base. Ce qui nous intéresse réellement, c'est la structure des données. Quand on travaille avec une base de données, avec des données, il faut comprendre les structures, ok? En termes de structure, vous avez ce qu'on appelle les vecteurs, avec un C. On peut avoir des vecteurs de numérique, si j'exécute ceci. Vous avez ici, vous voyez, c'est un vecteur de numérique avec trois valeurs. Vous avez les vecteurs de caractères. Vous voyez ici, ça change. C'est un vecteur de caractère parce qu'il y a des codes et vous pouvez les afficher aussi. Ce symbole permet d'aller à la ligne, en fait. Tout simplement, ok? Une fois qu'on a ça, on a le vecteur, on a également les matrices, tout simplement. Donc, pour définir matrice en R, vous avez matrice 1, 4, c'est et le nombre de lignes, en fait. Vous allez voir, juste là, la matrice s'affiche. Elle est où, la matrice? Juste là. C'est deux lignes de colonnes. C'est pour ça que j'ai mis ici de 1 à 4. Et là, deux lignes de colonnes. Ici, on affiche la matrice, c'est ça, deux lignes de colonnes. Si je vois là, c'est deux lignes de colonnes, vous pouvez modifier et adapter. Il y a également ce qu'on appelle des listes. C'est souvent très utilisé en R. Si par exemple, je veux faire une liste, c'est juste la fonction liste. Je peux mettre un nombre égal à 42, un texte, un booléen. Je peux m'en rajouter d'autres éléments, autres, égal à exemple. Vous voyez, en fait, je peux rajouter plusieurs objectifs, objets de type différent. Je peux m'en rajouter une matrice. Je peux mettre matrice égal à, je mets la matrice, matrice. Donc, dans la liste, on peut mettre plusieurs types d'éléments en R. Si je fais la liste, vous voyez, ma liste, elle est là. C'est la liste de 5 éléments. Et pour accéder à chaque élément en R, il faut utiliser le dollar, ce qu'on faisait tout à l'heure sur le tableau, sur les data frames. Je prends ceci. Si par exemple, je vais accéder au nombre, je fais liste, dollar, nombre. Et là, j'ai accès à mon nombre. Je peux stocker ça dans une variable. Liste, dollar, texte. Là, j'ai accès à mon texte. Liste de là, je peux aussi faire comme ceci. Si je veux accéder, pardon, au premier élément de ma liste, là, je peux faire ceci. J'ai fait la capture d'écran. J'efface ceci. Et ce que je vais faire, c'est ça. Et là, je mets deux crochets. Je veux accéder au premier élément de ma liste, au nombre. Le deuxième élément, ça va être deux crochets. Regardez bien, deux crochets. C'est le texte. Troisième élément, c'est le booléen, juste ici. Quatrième élément, c'est un autre élément. Et le cinquième élément, c'est ma matrice. Donc, dans une liste, on peut stocker plusieurs objets de type différent. Ça peut être très utile en général. Donc, voilà. On peut juste faire un print et vous avez l'ensemble des éléments disponibles dans la liste. Donc, s'il va accéder à... Voilà, c'est ça. C'est l'ensemble des éléments. Je peux rajouter des vecteurs, je peux rajouter des tableaux. Dans la liste, je peux mettre ce que je souhaite, en fait. Un autre type de données populaire qu'il faut maîtriser, ce sont les data frames. C'est vraiment en Excel, on a un fichier ligne colonne. Ça se transforme souvent en data frame là. Data.frame, je mets les identifiants, je mets des colonnes, je définis mon data frame, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et pour voir un data frame, moi, je préfère utiliser la fonction view en général parce que ça te met dans une nouvelle table. En fait, le data frame, c'est vraiment la table telle qu'on la connaît, telle qu'on la visualise. Ici, c'est les identifiants, le nom, l'âge. Comment c'était créé? Je mets ici ID, je mets la première variable dans cette première colonne. Deuxième colonne, le nom, je définis. Je peux rajouter une autre colonne, par exemple, si je mets ceci, je rajoute une autre colonne, je mets la virgule, je rajoute par exemple ici, je vais mettre 5 anciens et j'appelle ça test. Ok, vous allez voir que maintenant, mon data frame, si je visualise à nouveau, j'ai une nouvelle colonne qui a été rajoutée. Je peux rajouter autant que je souhaite, je peux rajouter autant de lignes que je veux. Voilà. Et pour accéder aux éléments du data frame,
pour accéder à une variable, il faut utiliser le dollar comme la liste. Parce que si vous faites, par exemple, la type of DDF, par exemple, si on fait ça, exemple, vous voyez le type, il met que c'est une liste, en fait. Donc, pour accéder aux éléments, il faut utiliser le dollar comme pour la liste. Il fait dollar. Et là, j'ai accès à l'ensemble des variables. Si, par exemple, je veux observer, je veux uniquement avoir la première observation. Un data frame, c'est en fait c'est un tableau avec plusieurs vecteurs. Donc, chaque élément, c'est un vecteur. Pour accéder au premier élément de ce vecteur-là, je mets un. Dixième élément, exactement. Donc, voilà. Et je peux aussi faire comme ceci. Pour avoir la ligne, je ne fais que faire des captures d'écran. Pour avoir la ligne, ici, je mets comme ça. Vous voyez, j'ai uniquement la première ligne. Donc, j'ai la ligne. Si je veux avoir la première colonne, je peux aussi mettre un chiffre ici. Et j'ai uniquement la première colonne, tout simplement. Et si je veux avoir quoi d'autre? Première ligne, première colonne, pour avoir, j'aurai la valeur 1. Donc, c'est comme ça que ça manipule les data frames. Et c'est possible, en fait, de vérifier, de changer, en fait, le type de données. Par exemple, tout à l'heure, on a créé un numérique. C'est possible de changer cela en caractère. Donc, si là, le numérique, on va mettre as caractère 42. Ici, j'ai fait le type de ceci, type of num caractère, juste là. Vous voyez, ça change en caractère, même si c'est un numérique. Et là, je veux stocker 1, 2, 3, qui est un caractère en numérique. Et là, ça va me stocker cela. Si j'ai fait type of de ceci, ça me donne un double. Ce n'est pas possible de stocker en numérique. Donc voilà. Ça a été stocké en numérique, oui, effectivement. C'était numérique, c'est passé un double. Mais par contre, je ne peux pas stocker par exemple, ah, est-ce que ça ne va pas marcher? Oui. Ça ne peut pas marcher. Ça va créer des NA. Si j'ai fait ça, oui, c'est une valeur manquante parce que le A ne peut pas être transformé en numérique. Donc si j'ai plutôt dans ma base de données quelque chose qui est comme ça, que je veux transformer en numérique, je fais un as.numérique et j'ai ma base de données. OK. On va revoir la manipulation des vecteurs. Donc, vecteur, je peux changer. Par exemple, ici, sur le vecteur que j'ai créé juste ici, c'était quel vecteur? Celui-ci. Je peux modifier la deuxième position et mettre, par exemple, la valeur 10. OK. Là, sur le vecteur, je prends la valeur, le deuxième élément de mon vecteur, ça va être pour valeur 2. Je remplace par 10. OK. Si j'exécute ça, j'ai remplacé le deuxième élément de mon vecteur par 10. Là, vous voyez, ça a été changé ici. Là, vous ne voyez pas. Je vais juste me décaler un peu pour que vous voyez. Vous voyez ici. Ici, on a le 10 là. Donc, si j'affiche à nouveau mon vecteur, vous voyez, ça a été remplacé par 10. Si je remplace, par exemple, le troisième aussi, je peux remplacer. Ça reçoit c'est 45. Et là, maintenant, si j'affiche à nouveau, vous voyez, le 45 a été changé. Et même ici, le 45 a été changé. Donc, voilà pourquoi comment est-ce qu'on manipule les vecteurs. On peut manipuler les data frames aussi. Chaque colonne, c'est une colonne de vecteur. Je peux additionner des éléments. Ça va rajouter 1 à chaque élément. Par exemple, ici, on a l'âge qui est là. Vous voyez, on a 25, 32, 37. Si j'ajoute un élément comme ça, ça va faire 26, 33 et 38. Donc, ça rajoute 1. On peut rajouter un vecteur à un vecteur. Il y a pas mal d'opérations qu'on peut réaliser. Donc, voilà à peu près les bases. Si vous maîtrisez les vecteurs, les matrices, les data frames, vraiment, vous maîtrisez beaucoup de choses pour avancer sereinement avec le logiciel R. Et bien évidemment, à la fin, n'oublions pas, effaçons notre espace de travail en utilisant soit ce balai, juste là, soit cette fonction que je mets à chaque fois dans les codes que vous avez en description. Vous savez maintenant comment est-ce qu'on visualise des données en R, comment est-ce qu'on fait les stats basiques, quels sont les différents types de données, comment manipuler les listes, les vecteurs et les data frames. On va aller beaucoup plus loin maintenant. On va voir ensemble comment faire du machine learning en R. On va commencer par un modèle très simple qui est la régression linéaire et on verra comment faire un arbre de décision en R. C'est parti. C'est parti pour le machine learning en R. Pour rappel, le machine learning, c'est l'ensemble des techniques qui donnent à la machine la capacité d'apprendre par elle-même à partir des exemples. Il y a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé où notre objectif, en général, c'est de faire des prédictions sur des variables qui sont étiquetées. Par exemple, je vais faire un modèle qui prédit le prix des biens immobiliers. Je vais donner dans la base de données non seulement le prix des biens immobiliers, mais en plus les caractéristiques de la maison. Il y a l'apprentissage non supervisé. On va prendre le cas ici de l'apprentissage supervisé en R. Je commence toujours par mon package Pacman qui me gère très bien l'ensemble des packages qui ne sont pas disponibles dans ma base de données. J'exécute. Une fois que c'est fait, il y a le package
t'arrête que je vous recommande lorsque vous voulez faire du machine learning en R. On va faire l'arbre de décision. On a le package tree. Il y a le paquet ggplot2 pour pouvoir faire des visualisations de qualité. Et Shiny, on verra ça dans la partie de déploiement juste après. Ok, j'exécute ça, ça me charge l'ensemble des packages que je n'ai pas encore sur mon ordinateur. Une fois que c'est fait, on va travailler avec la base de données Iris qui est déjà disponible sous R. Il suffit que je fasse data, je mets le nom de ma base de données. Vous voyez, la base de données Iris a été chargée juste ici. On a 150 observations et 5 variables. Okay? Si je fais un view Iris, là, vous allez voir, j'ai ma base de données, j'ai la taille du sépale, la largeur du sépale, la taille du pétale, la largeur du pétale et l'espèce spices qui a 3 modalités. Si je fais par exemple le summary sur ça, vous allez voir la description de l'ensemble des variables de ma table Iris. Là, juste là, vous allez voir, on a 50 espèces par catégorie en général. Okay? En machine learning, lorsqu'on travaille en général, on a besoin de fixer la graine. La graine, c'est ce qui vous permet en fait de rendre votre travail reproductif. En gros, si je mets cette graine et que vous relancez le code, vous aurez exactement le même résultat que moi. Mais par contre, si je ne mets pas la graine, vous n'aurez pas le même résultat. Donc, c'est une technique pour avoir exactement le même résultat parce qu'on veut diviser la base de données en graines et en tests. Et en général, il y a de l'aléa. Qui dit aléa dit que les résultats peuvent changer à chaque fois que je lance. C'est pour ça qu'on fixe la graine juste ici. Donc, là, je vais diviser en train et test. Il y a la fonction sample qui vous permet d'avoir en fait la base que vous souhaitez conserver. Si je fais sample, je prends 100 l'indice ici, l'ensemble des indices qui ont été sélectionnés. Dans ma base d'apprentissage, je ne vais pas prendre 100, je vais plutôt prendre, disons, 500, pas 100, je vais prendre plutôt, il y avait combien dans la base Iris? Il y a 150, ok c'est bon, 100 c'est parfait. Donc tout ce qui est index, tout ce qui sera dans ces nombres-là, ça va récupérer l'ensemble de ces lignes pour constituer ma base. Green, c'est ça ici. Et tout ce qui n'a pas ces indices, c'est pour ça qu'il y a le moins ici. Tout ce qui n'est pas dans la liste des indices qui sont définis ici, ça permet en fait d'avoir les lignes en fait qu'on met ici. Si je mettais ici, ça permettait d'avoir les colonnes. J'exécute. Et là, j'ai ma base de test. Ok. Si par exemple, je prends uniquement la colonne 1. Par exemple, ici. Je veux la colonne 1 uniquement. Vous allez voir. C'est pas ce que je veux. Hein, mais là, pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez, ça m'a récupéré uniquement la première colonne. C'est pour ça qu'ici, on prend toutes les colonnes, on ne met rien du tout. Si je prenais par exemple C de 1, 2, la première colonne, et C c'est un vecteur, donc deux éléments. Première colonne et la seconde, vous voyez, ça me donne uniquement les résultats sur les deux premières colonnes, juste là. Donc c'est pour ça qu'ici, quand on ne met rien, ça choisit toutes les colonnes de la base de données. Maintenant, on va commencer par le modèle basique, la régression linéaire. On va essayer d'expliquer la taille du pétale, en fonction, l'âge du pétale en fonction de sa taille et la base d'apprenement. J'espère que j'ai bien exécuté ça. Pour faire la régression linéaire en R, il y a la fonction LM, linear model en fait. Là, c'est la variable Y. Ici, ce sont les variables X. J'aurais pu mettre plus pour ajouter d'autres variables en fait. Mais là, j'ai mis juste une seule pour vous montrer comment ça fonctionne. J'exécute ça. Et là, je peux avoir le résumé de mon modèle pour avoir les caractéristiques. On a ici l'intercept y égale à ax plus b. Là, c'est la valeur de b. Ici, c'est la valeur de a. A fois x. X ici, c'est pétale length et la constante, c'est ça. J'ai le caractère significatif ou pas assez rapidement en ligne de code. C'est ça la puissance de R. Et si je veux, par exemple, crasser le schéma avec la fonction ggplot, la grotte de régression, vous avez juste ça ici. Le crasser de la grotte de régression entre les deux. Voilà la grotte que je viens d'estimer avec le paquet ggplot que j'ai utilisé ici, la fonction ggplot et l'ensemble des caractéristiques. Okay. Un autre modèle qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle un modèle de classification. Ici, j'essayais de prédire la taille, la largeur des pétales. Je peux vouloir aussi essayer de prédire plutôt le type d'espèce en fait. On a plusieurs espèces. Je peux vouloir prédire le type d'espèce. Et pour ça, je mets ce qu'on appelle l'arbre de décision en R. Donc, vous voyez ici, je fais tree, je prends l'espèce Pisces, je fais tilde point, c'est pour dire récupère l'ensemble des variables de ma base de données, je n'ai pas sélectionné. Autant sur la régression linéaire, j'avais sélectionné mes variables, autant sur l'arbre de décision, je prends toutes les variables de la base de données, je choisis la base d'apprentissage, ici data égale à train. N'hésitez pas à faire un point d'interrogation tree pour avoir l'ensemble des caractéristiques de cette fonction qui permet d'avoir
la base de l'arbre de décision. N'hésitez pas à voir comment est-ce que ça fonctionne. Si je fais juste un plot, j'ai pas lancé modèle fruit, c'est l'arbre de décision que je devais entraîner. Si je fais juste un plot ici et je fais un texte, vous avez ici l'arbre que je viens de générer. Vous voyez, l'arbre ici a été généré juste là. On appelle table Rift. Ce n'est pas l'arbre le plus beau du monde, mais ça vous donne déjà une première idée de comment est-ce qu'on peut faire un arbre de décision en R. Vous pouvez réaliser des prédictions ici avec la fonction predict. Je mets mon arbre de décision, je prends ma base de données et type égale à classe. Et là, j'ai ma règle de décision qui permet de faire la prédiction. Est-ce que c'est un Setosa, Visicolor, Virginica? Donc ça, ça c'est la fonction predict. Ça vous fait des prédictions sur votre base de données. Et lorsqu'on a fait la prédiction, lorsqu'on est en classification, on peut avoir besoin de la matrice de confusion. Et là, dans le package caret, vous avez la fonction confusion de matrice. Et je mets les prédictions et je mets les types d'épargne. Et là, ça vous donne en fait la sensibilité, la spécificité et autres. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on fait le machine learning en R. Il y a déjà des packages bien préconçus. On pourra faire des vidéos plus détaillées sur le sujet. Mais l'idée, c'est de vous montrer que c'est possible en fait de le faire. Il suffit de comprendre les fonctions, comprendre comment ça marche. Et après, vous pouvez enregistrer votre modèle. Là, j'enregistre dans mon répertoire ici. J'enregistre également le modèle de l'app et je peux aussi enregistrer ma base de données d'apprentissage pour pouvoir déployer mon modèle. On vient de développer le modèle de machine learning. On a stocké notre base d'apprentissage et notre modèle. Je vous montre où ça se trouve sur mon ordinateur. Je vous montre où ça se trouve sur mon ordinateur. On vient en fait de stocker l'ensemble des éléments. C'est juste ici. Début en R. Si je viens là, début en R. C'est là, vous voyez. Là, c'est un objet R en fait. Modèle tree.rdata. Ça stocke en fait le modèle que j'ai développé. Ça stocke la base d'apprentissage que j'ai utilisé pour le modèle. Je peux l'utiliser pour déployer. Et l'outil de déploiement puissant qu'on utilise en R en général, c'est AirShiny. AirShiny, c'est un outil qui vous permet de faire non seulement de belles visualisations, mais ça peut être intéressant pour déployer vos modèles et faire en sorte que ce modèle soit utilisé par d'autres utilisateurs. Donc en gros, je peux mettre en place un interface Shiny qui va permettre en fait à d'autres personnes d'utiliser mon modèle sans comprendre ce qui se cache derrière. Et je vous montre comment tout de suite. Pour pouvoir utiliser Shiny, bien évidemment, il faut installer le paquet Shiny. C'est pour ça que j'ai toujours mis ça ici au début. Vous remarquez le fichier Shiny que j'ai créé, vous l'avez en description. Ici, ça détecte automatiquement comme étant une application Shiny. En fait, il y a deux méthodes pour créer des applications Shiny en R. Je vous montre la première. La première, c'est tout simplement de venir ici. Là, vous ne voyez pas. Voilà. Vous venez ici sous File, New, et là, vous avez Shiny Web App. Okay. Quand vous cliquez sur Shiny Web App, vous pouvez me donner un nom. Il y a deux versions, soit un fichier seul, comme ce que j'ai fait là avec la .r, que je vais appeler ici. Test, par exemple, create. OK. Pourquoi ça évite? Je recommence, fichier, nouveau. Shiny Web App, test. Et je vais parcourir où est-ce que je vais stocker celui-là. Je vais mettre ça dans WASP 22, par exemple. Test. Application and create. OK, voilà. Vous voyez, quand je crée, ça me crée deux fichiers. Ça me crée app.r avec un seul fichier. C'est parce que c'est l'option que j'ai choisie. Mais si vous voulez deux fichiers, il fallait que je fasse nouveau. File. Shiny Web App. Et là, je choisis multiple file. OK. Et là, j'appelle ça test beast, par exemple. Et je fais create. Et là, vous voyez, ça m'a créé deux fichiers. L'UI et le serveur. Donc, le serveur, c'est vraiment la partie où on va coder en dur. Et l'UI, c'est la partie que l'utilisateur va utiliser. On ne va pas entrer dans ce détail dans cette vidéo, mais je vous montre rapidement ce que j'ai fait dans ce code. Donc là, je charge ma librairie Shiny. Pour déployer mon modèle, il faut que je récupère d'abord le modèle que j'avais enregistré, vous vous rappelez. Loud model tree.rdata. J'ai récupéré mon modèle. Et là, c'est plus des caractéristiques pour définir à quoi va ressembler mon application Shiny. Je vous montre à quoi ressemble d'abord l'application basique sans rien du tout. Vous voyez, ça ressemble à ça. En fait, je peux le personnaliser. Ça, c'est l'application basique que Shiny met à disposition pour la démo. Mais pour nous, on peut améliorer ça. On peut mettre des noms ici. Ça, c'est pas le mien. Ça, c'est le mien. Prédiction du modèle d'arbre de décision. On va prédire le type de fleur. Pour prédire le type de fleur, on a utilisé quoi? On a utilisé Petal Length. Donc, on va rajouter sur notre application Shiny la taille des pétales, la largeur des pétales. Donc, en gros, l'utilisateur doit rentrer la taille des pétales, la largeur des pétales, la longueur des sépales, la largeur des sépales. Et ensuite, il y aura un bouton
ici Action Button, qui va permettre de faire la prédiction en fonction des valeurs que l'utilisateur aura choisies. Ça, c'est Numeric Input. C'est pour dire que l'utilisateur doit mettre des valeurs numériques. Et Action Button, ce sera un bouton d'action. Vous allez voir ça tout de suite. Ensuite, Output, ici, je mets la prédiction. Cette prédiction, en fait, ça vient du serveur. C'est au niveau du serveur que je calcule, en fait, mon modèle, vous voyez. Le modèle, je récupère dans la base de données avec les nouvelles données. L'utilisateur a rentré les données sur la partie UI. Je récupère cette donnée-là, c'est pour ça que vous voyez ici, New Data. Et là, Input, c'est sur la partie UI. C'est pas l'inf, c'est ça que j'ai défini ici. Vous voyez, c'est les noms de l'UI que je réutilise sur la partie serveur. C'est ça que j'utilise, en fait. Ensuite, pour faire Predict Model Tweet, que j'ai déjà importé dans mon logiciel New Data, type égale à classe, parce qu'on a la classification Cetosa, Visicolor et autres. Et en output, je fais render text prédiction. C'est ça en fait, l'application simple de, pour pouvoir utiliser mon modèle. Si je fais run up, juste là, vous allez voir à quoi ressemble. Donc ici, il met les caractéristiques sur sa fleur. Par exemple, ici, longueur des pétales, je peux mettre 45, je fais n'importe quoi. Largeur des sépales, je mets 15. Là, je mets 14, 41. Donc, c'est un utilisateur qui utilise, il clique sur prédire et il a 3. C'est la troisième modalité en fait. Voilà à peu près. Et ensuite, on peut déployer. Vous voyez ici, publish, je ne vais pas le faire ici, mais vous pouvez publier, déployer cela pour que tout le monde puisse utiliser directement votre interface sans comprendre forcément comment est-ce que le modèle a été développé. Et Shiny, au-delà de cela, si vous allez sur le site internet de Shiny, on va aller ensemble sur le site internet de Air Shiny, vous allez voir l'ensemble des visualisations intéressantes que vous pouvez faire grâce à cet outil. En fait, ça permet Get Started in Air. Vous avez le lien également en description. Vous pouvez voir la structure. Il y a vraiment pas mal de choses qui permettent de faire des applications qui sont... Vous avez ici la galerie, en fait, qui vous montre déjà l'ensemble des applications qui sont déjà disponibles que vous pouvez réutiliser. Je prends quoi comme exemple? Cette application, par exemple, qui fait le World Cloud View App. Je peux tester en live. Moi aussi, je peux lancer mon application pour que d'autres personnes puisse l'utiliser. C'est à peu près ça. Shiny, il y a des applications un peu plus abouties que ce que j'ai ici. Donc, n'hésitez pas. À chaque fois que vous avez besoin d'un élément pour Shiny, vous avez ici pour télécharger le document. Vous pouvez voir comment est-ce qu'on peut mettre en place les cliquants. Par exemple, là, j'ai fait une application qui permet de télécharger. Je télécharge. Vous pouvez réutiliser le code. Si vous cliquez sur View Code, là, j'ai cliqué sur View App. Si vous cliquez sur View Code, vous pouvez récupérer le code et l'utiliser dans vos propres projets. Donc, Shiny, c'est vraiment l'outil indispensable pour pouvoir faire des visualisations de qualité en R. Vous avez l'ensemble en fait, des méthodes. Je mets également cela en description pour que vous puissiez tester de votre côté. N'hésitez pas à vérifier l'ensemble de ces articles. Par exemple, si vous avez une autre application Shiny, vous avez la possibilité de tester en live. Vous pouvez voir comment ça fonctionne. Il y a plusieurs graphiques, vous voyez. Vous pouvez vraiment vous inspirer, récupérer le code. Il y a même le texte. Ça vous donne step 2, step 3, mettre en place une régression linéaire, VIF, step 4, le modèle final, step 5, les hypothèses. Donc, voilà une application Shiny de déploiement de modèles de régression linéaire. Ici, les tests statistiques qui ont été utilisés. Franchement, n'hésitez pas à tester de votre côté. Vous avez la page d'accueil, vous avez la base de données. Vous pouvez répliquer cela pour faire vos propres travaux. Le deuxième package R de productivité que je vous recommande vivement, c'est le package Air Markdown. Franchement, ça change complètement la vie. Le package Air Markdown, vous voyez ici, vous permet de non seulement rédiger le code comme on l'a fait jusqu'ici, mais aussi rédiger la documentation associée à ce code. Et pour créer un Air Markdown, il suffit juste d'installer le package. Et ensuite, vous faites juste un install.package. Install.package. Là, je fais Markdown. Vous ne voyez pas aussi. Je fais juste comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Install.package et là je mets Markdown et Markdown. Une fois que c'est installé, je peux juste venir juste ici au niveau de File. Quand je clique sur File juste ici, quand je clique sur File jusqu'ici, New File, vous voyez, il y a et Markdown Document. C'est assez simple. Il choisit le type. Est-ce que je veux que mon document soit un Word, un PDF ou un HTML? Là, je choisis HTML, je mets le nom Test Markdown. Et je fais OK. Vous voyez, ça me crée ce fichier. Et ça vous montre déjà comment est-ce qu'on peut utiliser Air Markdown en pratique. Vous voyez, là, j'ai la documentation, j'ai un lien cliquable et j'ai mon code Air Summary 4. Si j'exécute, vous voyez, ça fait le résumé ici. Ici, pour pouvoir voir le document, je clique ici, il faut que j'enregistre texte.
Markdown, j'enregistre ça, et là, ça va exécuter le code qui a été développé là, il y a le graphique, et ça me génère ce document que je peux partager avec des utilisateurs, que je peux me partager en ligne, vous voyez, j'ai des liens cliquables et autres. Ça, c'est le deuxième outil de productivité que je vous recommande. Le troisième outil de productivité que je vous recommande également, c'est l'outil Quarto. Moi, j'ai découvert Quarto récemment. Franchement, ça change complètement la vie. C'est plus basique, c'est plus, comment dire, ça, c'est plus abouti que Markdown. Ça permet vraiment... Ici, il y a beaucoup de code à rédiger. Par contre, si on veut créer un document Quarto, vous venez juste toujours ici, dans Fichier. Vous venez toujours ici, au niveau de Fichier, juste là. Vous cliquez sur File. Ensuite, vous allez New File. Vous faites Quarto Document. Franchement, c'est juste ça. Quarto Document. Une fois que vous avez Quarto Document, vous mettez juste document. On met le nom Quarto Test. Et vous pouvez, pareil, Word, PDF ou HTML. Ici, on va tester Word. Et je fais Create. Je crée mon document pour Quarto. Une fois que le document est créé, là, vous avez l'en-tête avec le type, le format docs. Si c'était HTML, ça devait être HTML. Et là, c'est à peu près comme Markdown, en fait. Mais c'est juste, par exemple, si je veux créer un tableau avec Quarto. En Markdown, ce n'était pas possible. Il suffit juste que je vienne ici, table, j'ajoute un tableau. Et là, je peux rédiger, en fait, je fais test. Je peux rédiger mon tableau. En même temps que je rédige mon code, je rédige ma documentation. Je peux mettre en place des tableaux. Je peux rajouter des images. Par exemple, ici, ce n'est pas dans mes téléchargements normalement. Je dois avoir une image juste là. Je peux rajouter une image. OK, vous voyez, ça rajoute l'image rapidement. Je peux rajouter quoi d'autre? Je peux mettre des tests en gras. Par exemple, ça, je clique là. Vous voyez, bold. C'est comme si j'avais un Word intégré à Markdown. Et en plus, là, pour le code, c'est ça. Je peux exécuter mon code ici. Ça me donne le sorti. J'exécute là. Pour ajouter un nouveau code, vous voyez là, j'insère un nouveau code en cliquant là. J'ajoute. Il y a quoi d'autre que je peux vous montrer? Vous pouvez enregistrer render pour pouvoir générer le document test. Et ça crée un document QMD, safe. Donc voilà un outil que je vous recommande. Et voilà mon document Quarto qui a été utilisé. Quarto. Okay. Donc voilà à peu près les outils que j'avais à vous partager en R. Sinon, quoi d'autre en R? Il y a la documentation qui vous permet d'aller beaucoup plus rapidement pour pouvoir mieux approfondir tout ce que j'ai vu avec vous jusqu'ici. N'hésitez pas à lire la documentation. J'ai mis quelques liens, quelques ressources que j'ai trouvées intéressantes. Et Markdown, vous avez ici la ressource qui vous permet de faire des Markdown de qualité. Vous avez la librairie pour vous inspirer et utiliser dans vos propres projets. Vous avez ici le lien pour découvrir Quarto. Quarto, on peut l'utiliser en Python ou encore en R. Vous pouvez l'installer également comme client sur votre PC. Vous avez également, ici, j'ai mis Shiny. Vous avez Shiny qui a été développé également et qui est accessible aujourd'hui sur Python. Je ne sais pas si c'est aussi performant que sous R, mais Shiny est accessible sous Python. Vous avez quoi d'autre? Vous avez ici l'ensemble des ressources. Si vous voulez approfondir R, il y a sur le site du CRAN, ce site que moi je vous recommande, qui vous donne l'ensemble de documents non anglais en R. C'est ce site-là que je vais vous montrer. Si par exemple vous cherchez des documents en français en R, vous venez ici sur French. Vous avez des guides en PDF qui vous permettent de monter en compétences en R. C'est écrit par ici. Ça, c'est un document qui était référencé sur le site de Shiny, de CRAN même. Et là, j'ai des bases pour bien démarrer en R. Vous avez le lien en description. N'hésitez pas à voir. Vous voyez comment ça fonctionne, comment ça marche, comment est-ce qu'on prend en main R. Franchement, il y a la documentation en ligne. Suivez la vidéo, appliquez tout ce qu'on a vu ensemble. Il y a ce document aussi que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai mis ici dans la documentation. Vous avez également la Bible de R. C'est ce document, ce book qui est disponible ici. Vous pouvez lire et appliquer à vos propres projets. Un autre lien qui est intéressant pour vous également, c'est Programmer en R, la page wiki en fait, qui vous donne des indispensables. Vous voyez ici comment est-ce qu'on manipule les nombres, les vecteurs, les chaînes de caractères, les facteurs, la date et les heures qu'on n'a pas vu dans cette vidéo, les fichiers CSV, les fichiers JSON. Franchement, il y a tout ce dont vous avez besoin. Vous voulez faire mettre en place les modèles statistiques, c'est disponible ici. Vous avez la documentation, inspirez-vous. Et le plus important, comme d'habitude, c'est de tester. Vous avez également ce site qui est très recommandé lorsqu'on parle de R, utile R. Vous avez la documentation avec les prérequis nécessaires. N'hésitez pas à tout tester de votre côté. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Un seul mot, pratiquez. Toutes les ressources sont en description, la base de données, les codes, testez de votre côté. Et aussi, je vous offre un quiz pour challenger votre niveau. Le quiz se trouve en description. Allez-y, foncez, regardez si vous avez bien
acquis toutes les compétences de cette vidéo. Comme d'habitude, les amis, likez parce que c'est comme ça que YouTube met en avant la chaîne. Commentez pour me dire comment est-ce que vous avez trouvé ce nouveau format. Partagez autour de vous pour aider d'autres personnes à monter en compétences en R en 2024. Si vous souhaitez savoir comment est-ce qu'on met en place les tests statistiques en R, regardez cette vidéo. Si vous voulez voir comment est-ce qu'on met en place l'ACP en R, regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!